We are going to stand for the word of God. I'm pressing on as the pastor is coming. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I'm onward bound. Lord, place my feet on coming before the throne of mercy. Nous venons devant le trône de miséricorde. Asking for your leadership. Demandant pour ta conduite. So that we can shoot higher and higher all the time. Afin d'atteindre le sommet toutefois. Help each one of us. Chacun d'entre nous. To be looking for bigger and higher things. D'être en train de chercher des grandes et des choses élevées.
forgive our shortcoming, Father. Pardonne nos manquements. We are coming humbly before you. Nous venons humblement devant toi. Asking that Father you take our life into your hands. Demandons que tu prennes nos vies entre tes mains. We don't hold anything for ourselves. Nous ne retenons rien pour nous-mêmes. We want to be fully consecrated, dedicated for your service. Nous voulons être complètement consacré, dédié à ton service. There is no other blessing better than serving you, the King of Kings. Il n'y a pas d'autre bénédiction que de te servir, toi, le roi des rois. And that's the purpose why we are here this morning. C'est le but pour lequel nous sommes ici ce matin. Help us receive something. Aide-nous à recevoir quelque chose. That will help us. Qui va nous aider. For the remaining portion of our journey. Pour le reste de notre voyage. So that at the end of the journey. Afin qu'au fin, à la fin de notre voyage. We can stand before the master. Nous pouvons se tenir devant le maître. And hear his sweet voice said. Et attendre sa douce voix dire. Well done, my servant. Bien fait, mon serviteur. Enter ye in your rest. Entre dans la joie, dans le repos. Let it be so for each and every one of us. Que cela soit ainsi pour chacun d'entre nous. We recommend ourselves to you. Nous nous recommandons à toi. Along with the congregation. Avec la congrégation. With our needs. Avec nos besoins. Our desires. Nos désirs. Our problems. Nos problèmes. So that you be the solution. Que tu sois la solution. Bless each one of them. Bénis chacun d'entre eux. In Jesus Christ's name. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. After the 3 days of consecration. Après les 3 jours de consécration. I think each one must feel very well. Je crois que chacun doit se sentir mieux. And that's what Brother Branham was saying. C'est ce que Frère Branham disait. In the message Super Sense. Dans le message Super Sens. Paragraph 34. Paragraphe 34. Consecration should not be just for the last 3 days. La consécration ne peut pas seulement être pour les 3 jours passés. But our life must be a life of consecration. Mais notre vie doit être une vie de consécration. We have to continue to consecrate ourselves. Nous devons continuer à nous consacrer. Until. Jusqu'à ce que. Brother Branham said here in the message of Super Sense. Brother Branham dit dans ce message ici le Super Sens. Paragraph 34. Paragraphe 34. Brother Branham said, and after making my own consecration. Brother Branham dit, et après m'être consacré moi-même. That means Brother Branham also was all the time consecrating himself. Brother Branham aussi chaque fois se consacrait. And I said, after making my own consecration. Et il dit, après m'être consacré moi-même. And after making or having the church to do so. Et après avoir fait inciter l'Église à faire de même. So you have to also to bring the church to the consecration. Vous devez aussi amener l'église à la consécration. And as we close up on Friday, I think or Thursday. Pendant que nous avons clôturé le jeudi, je pense. I told the people, you go home, each family, each person, continue with your consecration. Et j'ai dit à l'église, allez à la maison, chacun continue dans la consécration. If you don't consecrate, that's the basis of all the troubles. Si vous ne vous consacrez pas, c'est ça la base de tout le problème. You will make look at a little problem, you make it big for no reason. Vous verrez un petit problème, vous rendez cela grand pour pas de raison. But the real big problem is the going home of the bride. Mais le grand problème, c'est le retour de à la maison pour l'épouse. This is where Brother Branham said, we cannot major on a minor. C'est voilà pourquoi Frère Branham dit, nous ne pouvons pas insister sur les choses mineures. You don't go to
college and you graduate on a minor. Vous pouvez pas aller au collège et pour prendre votre diplôme sur des choses, des cours mineurs. You know, in the college here, vous savez, au collège ici, every university, chaque université, the first 2 years, le premier deux années, première deux they années, teach you, they call it, I forgot, general, what, how do they call it? General education. On appelle cela l'éducation générale. They give you a little bit of math. On vous donne un peu de maths. Even you are born here, they give you some English. Même si vous êtes né ici, on vous donne de l'anglais. They are just preparing you. On vous prépare, on donne des prérequis. But on the third year, troisième année, if you are to major in, for example, accounting, si vous devez être diplômé dans la comptabilité, then you start seeing accounting class after accounting class, this intermediate account, advanced account, etc. Alors on va vous donner des cours de comptabilité avancée, ainsi de suite. And then they say your degree is in this field. Alors on vous donne, vous êtes licencié dans ce domaine. Also for us. Aussi pour nous, we are wonderful students. Nous sommes des étudiants merveilleux. Going to heaven, nous allons au ciel. We have to major on the major. Nous devons insister sur les choses majeures. What is the major? C'est quoi les majeures? Be born again, être né de nouveau. Consecrated, être consacré. Going away, et allant à la maison. Amen. Amen. So Brother Branham, I was reading, said, after making my own consecration, Branham disait, après m'être consacré moi-même, after having the church to do so, et après avoir incité l'église à faire de même, and God, Brother Branham was looking at the result. Frère Branham lui cherchait le résultat. Because you remember somewhere Brother Branham said, vous rappelez, I don't need a prayer line. Frère Branham, quelque part, Frère Branham dit, je n'ai pas besoin d'une ligne de prière. I need the consecration. J'ai besoin d'une consécration. If you are really consecrated, si vous êtes réellement consacré, the problem will find a solution on its own way. Les problèmes vont se trouver des solutions d'eux-mêmes. You are passing by. Vous passez. Just your shadow. Juste votre ombre. Healing the sick. Qui guérit les malades. Without a prayer. Sans la prière. When Jesus, when even Joshua. Même Josué. Fighting. Qui est en train de se combattre. When the sun was going down, et quand le soleil s'est couché, he did not have time for prayer. Il n'avait pas le temps de prier. You are driving, vous conduisez, there is a danger coming, il y a un danger you qui don't vient, have enough time to vous pray, n'avez pas assez de temps de prier. But a consecrated life, mais une vie consacrée, that's why Branham said, voilà pourquoi Frère Branham dit, that's the thunder that shake the enemy. C'est un tonnerre qui bouge le diable, l'ennemi. And Branham said, if God bless us the way he has in the last few meetings, si Dieu nous a bénis comme il a fait au cours des dernières réunions, with that little consecration, avec cette petite consécration, what will he do if we keep it up? Que fera-t-il si nous continuons ainsi? See? Voyez? Just keep it up. Continuez simplement. That's where I want to insist a little bit. C'est là où je veux insister un tout petit peu. Don't say, well, okay, it was a wonderful time. Ne dites pas c'était des moments merveilleux. It's a history. C'est de l'histoire. No. Non. Christianity. La chrétienté. Is a daily life of consecration. C'est une vie quotidienne de consécration. Read the word. Lisons la parole. Pray. Priez. Fast. Jeûnez. And. Et. From time to time, de temps en temps, as we did the last day, comme nous avons fait les jours passés, renew your pledges to God. Renouvelez votre engagement à Dieu. Lord, Seigneur, I want to serve you a little bit more than I used to be. Je veux te servir un peu plus comme j'ai l'habitude de le faire. Just keep it up. Continuez tout simplement. Now listen. Maintenant écoutez. You are in love with one another. Vous êtes plein d'affection les uns pour les autres. How I seen you standing in the hall. Je vous voyais debout dans les allées. This morning. Ce matin. And just weep. Simplement en train de pleurer. With your hands to God. Vos mains levées vers Dieu. The lovely spirit moving around over you. Tandis que cet merveilleux esprit s'est manifesté parmi vous. This is how we need to stay with our consecrated life. C'est là que nous voulons rester avec notre vie de consécration. Amen. Amen. So let me remind a few things here after the consecration on Thursday. Laissez-moi rappeler certaines choses ici après la consécration de jeudi. I said that this coming Wednesday, God willing. J'ai dit le mercredi qui vient, Dieu voulant. We are going to have a communion service. Nous aurons un service de communion.
And I believe after consecrating our life, et je crois qu'après avoir consacré nos vies, if we need to take communion to si be nous, stronger, si nous voulons prendre la communion pour être fort, that will be the next thing. So be prepared for this Wednesday. Soyez préparé pour le mercredi qui vient. For communion service. Pour un service de communion. And the next Sunday, God willing. Et le dimanche prochain, Dieu voulant. We will resume with Sunday school. Nous allons reprendre avec le service, le cours du dimanche. That will be at 9 a.m. Qui sera à 9 heures du matin. Yeah. And also, I don't know when they are going. Somebody has the calendar. I could not check because the internet was down. When are we going to change the time in March? Anybody quand est-ce que know? Nous allons changer l'heure au mois de mars? Quelqu'un au courant? I could not verify it. Is it the 6th or the 13th? The 13th? Okay. Le 13. Okay. If it's the 13th, then I'm si going. Le 13. If it's the 13th, then I'm going to have the couple meeting on the 6th. Si c'est le 13, j'aurai la réunion pour le couple le 6. I give about a month this way. If you have a plan for one of the Sunday, this, keep March 6th for the couple meeting. Je donne une avance d'un mois. Si vous avez des plans pour le dimanche qui vient, préparez-vous pour le 6. March 6, God willing. Mars, le 6 mars. So we are going to do as we did last time. Nous allons faire comme nous l'avons fait à la fois passée. But this time we will try to have maybe finish the service a little bit earlier. Cette fois-ci, nous essaierons de finir le service un peu à temps. So that we can have more time for just in case people have questions. Pour avoir un peu plus de temps au cas où les gens ont des questions. And I believe this year is a very, very challenging year. Je crois que cette année, c'est une année vraiment de défi. I don't want to come back on the situation with Russia and Ukraine. Je ne veux pas revenir à la situation qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. But if you are following the news, et si vous suivez les informations, you will know that it's really, really critical time. Vous saurez que c'est vraiment un temps très critique. So we don't really know what the future is holding for us. Nous savons pas ce que détient le futur pour nous. But regardless of what is taking place, peu importe ce qui arrive, the bride need to be ready. L'épouse doit être prête. So this is our time of preparation. C'est notre temps de préparation. So I'm going to preach this morning on the I've been talking about the consecration of the church. Je suis en train de parler sur la consécration de l'église. The church need to be consecrated. L'église doit être consacrée. What is the consecration of the church? Qu'est-ce que la consécration de l'église? We saw that Brother Branham was telling us. Nous avons vu que Frère Branham nous disait that Jesus had to sanctify himself. Jésus devait se sanctifier lui-même. And what was the purpose? Jesus was so consecrated. C'était quoi le pourquoi le but de Jésus devait être consacré? And I think we read somewhere. Et je crois que nous avons lu quelque part. Where Brother Branham said. Où Frère Branham dit. He was consecrated. Il était consacré. For the sake of others. Pour les autres. Because he was training 12 people. Parce qu'il formait 12 personnes. You remember that, right? Vous rappelez de cela? Jesus was training 12 people. Jésus formait 12 disciples. So he had always those people in his mind. Il avait toujours ces gens dans son passé. Everything he was doing, tout ce qu'il faisait, he has to sacrifice his own life. Il devait sacrifier sa propre vie to show the 12, pour montrer aux 12. What will be their work, the work ahead? Ce qui sera le travail. The work that Jesus was doing this for to show the church what is your job. Jésus faisait ceci pour montrer à l'église ce que sera son travail. And today, aujourd'hui, as we speak about the consecrated church, pendant que nous parlons sur une église consacrée, we need each one of us. It's not the building, but us, the people. Ce n'est pas les bâtiments, mais c'est nous.
What is the commission that God has given to us? C'est quelle commission que Dieu nous a donnée? So we are going to stand. Nous allons nous lever. For title, the commission of a consecrated church. Pour titre, comme titre, la commission d'une église consacrée. The commission of a consecrated church. La commission pour une église consacrée. We open our Bible in Matthew chapter 9. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 9. Matthew chapter 9. Starting from verse 35. Commençant par le verset 35. And brother, I want you to pay close attention even from the reading of the scripture. Et frère, je voudrais que vous puissiez attirer l'attention même pour la lecture des écritures. You will notice after Jesus has lived the sanctified life. Vous allez voir qu'après que Jésus ait vécu une vie sanctifiée, it was for those people to take the gospel further. C'était pour que ces gens-là puissent prendre l'évangile dans les jours qui venaient. If the church has been consecrated, si l'église est consacrée, each one of us is consecrated, chacun de nous est consacré, is to take the gospel further. C'est pour pouvoir amener l'évangile très loin. It's not just Jesus did not consecrate himself. Jésus ne s'est pas lui-même consacré. Just for fun and say I'm consecrated. Pour juste de la blague comme je suis consacré. Our church we are consecrated. Pour l'église nous sommes consacrés. But after consecration. Mais après la consécration. There is a work ahead. Il y a un travail qui vient. We are not consecrated to cross our hand and just sleep and eat hamburger for which we came in America. Nous ne sommes pas consacrés juste pour se mettre là-bas, commencer à manger, dormir et puis venir manger l'hamburger pour quoi nous sommes venus en Amérique. 35. Matthew 9. What is making noise? Matthew 9:35. Matthieu chapitre 9 verset 35. And Jesus went about all the cities and the villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Et Jésus allait par toutes les villages, les villes et par les villages, enseignant dans leurs synagogues et prêchant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur. But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Et voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'ils étaient las et dispersés, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Which is true until today. Ce qui est vrai jusqu'à aujourd'hui. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. Suppliez donc le Seigneur de la moisson en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. We continue with chapter 10, verse 1 to 10. Nous allons continuer avec le chapitre 10, du verset 1 jusqu'au verset 10. And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manners of sickness and all manner of disease. Et ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna autorité sur tous les esprits immondes pour les chasser et pour guérir toute maladie et toute langueur. Now the names of the 12 apostles are these. The first, that's why one day I always think about preaching, why Peter? Et voilà pourquoi un jour je voudrais prêcher pourquoi Pierre. In everything in the Bible, always Peter. Dans toute chose, Jésus, dans chaque chose dans la Bible, toujours Pierre. The first, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother,
James, the son of Zebedee, and John, his brother. Or, ce sont ici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the publican. James, the son of Alphaeus, and Lebus, whose surname was Thaddeus. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, les publicains, Jacques, le fils d'Alphée, et Lébé, surnommé Thaddée. Simon, the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. Simon, le Cananéen, et Judas l'Iscariote, qui aussi les livra. These 12, Jesus sent forth and commanded them, saying, this is the commandment. Ça, c'est le commandement. Go not into the way of the Gentiles and into the city of Samaritans, enter ye not. Jésus envoya ses 12 et leur donna des ordres, disant, ne vous en allez pas sur les chemins des nations et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. And as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Et quand vous irez prêcher, disant, le royaume des cieux s'est approché. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give. Guérissez les infirmes, ressuscitez les morts, rendez nets les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Provide neither gold nor silver nor brass in your purses. Ne faites provision ni d'or, ni d'argent, ni de cuivre dans vos ceintures. Nor scrip for your money, neither two coats, neither shoes, nor yet staves, nor the workman is worthy in his meat. Ni d'un sac pour le chemin, ni de deux tuniques, ni de sandales, ni d'un bâton, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. And I want to skip and go down a little bit. Je voudrais sauter, aller un peu en bas. Yeah, verse 14. Le verset 14. When you go to the house to preach, quand vous allez dans les maisons pour prêcher, and whosoever shall not receive you, nor hear your words, when you depart out of that house or city, shake off the dust of your feet. Et si quelqu'un ne vous reçoit pas et n'écoute pas vos paroles, quand vous partirez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Let also take Matthew chapter 28. Prenons aussi Matthieu chapitre 28. Verse 19. Le verset 19. Matthew 28. Matthieu 28. Verse 19. Verset 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Since we are still in Matthew, let's take also Matthew chapter 5. Prenons aussi Matthieu chapitre 5. Verses 13. Verset 13. 13 to 16. 13 à 16. Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under the foot of men. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-il salé?
Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it gives light unto all that are in the house. Ainsi n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur les pieds des lampes, et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. May the Lord add a blessing to the reading of the scripture. Que le Seigneur ajoute une bénédiction à la lecture de ces écritures. You may be seated. Voudriez-vous vous asseoir? As I said, the thought here this morning. Comme je l'ai dit, la pensée ici ce matin. Why Jesus was living a sanctified life? Pourquoi Jésus vivait une vie sanctifiée? It was he was serving an example before the people. Il montrait un exemple devant le peuple. He was hard on himself. C'était difficile en lui-même. No, he was hard on himself. Il était dur en lui-même. Yeah. To show that, to train the other people. Pour montrer que pour entraîner d'autres personnes. That in order to win souls, pour pouvoir gagner les âmes, you have to be hard on yourself. Vous devez être dur en vous-même. You have to make sacrifices for others. Vous devez faire des sacrifices pour That's les autres. Why he said, Father, c'est pourquoi il a dit, Père, I'm sanctifying myself, et je suis en train de me sanctifier for their sake. Pour leur bien. That's why I'm taking the cross. C'est voilà pourquoi je prends la croix. That's why I'm living this life. C'est pourquoi je vis cette vie. And the brother Branham said. Et frère Branham a dit. That was one of the golden scripture in the Bible. C'était une écriture en or. Une des écritures en or dans la Bible. Jesus could also have a wife. Parce que Jésus pouvait aussi avoir une femme. Have children. Avoir des enfants. Have a home. Avoir une maison. Have a car. Avoir une voiture. Have a job. Avoir un boulot. Where he will be just focused a little bit on the job. Là où il pouvait donner beaucoup d'attention sur le boulot. But he did not do all the things, mais il n'a pas fait toutes ces choses. And the reason et la raison was for the sake of others. C'était pour le bien-être des and autres. If we also are Christian after Jesus, et si nous sommes aussi chrétiens suivant Jésus, we have to take the same approach. Nous devons prendre la même approche. And the reason being, et la raison d'être, we have to sanctify ourselves. Nous devons nous sanctifier. We have to consecrate our nous life. Nous devons nous consacrer nos vies. For the sake of the lost souls. Pour le bien des âmes perdues. Regardless of how many people. Peu importe combien de gens. Are in this country. Sont dans ces pays. Yesterday, I was called last minute by Pastor Emar here. Hier, j'étais appelé dans la dernière minute par le pasteur Emar ici. Oh, we have Brother George Ferguson in town. Nous avons le frère George Ferguson en ville. And he was asking if you can see him. Et il était en train de vouloir si vous pouvez le voir. We went to a fellowship. Nous sommes allés à la communion. But the thing I was surprised. Mais la chose que pour laquelle j'étais surprise. Brother George Ferguson knows Congo very well. Frère George Ferguson connaît le Congo très mieux. He said, "When you go in Ituri, you go to the Bandundu." Il dit que quand vous allez en Ituri, vous allez à Bandundu. And you do this. Quand vous faites and ici. You go in the north. Vous allez au nord. With the border with Sudan. Avec dans la frontière avec le Soudan. And he had the number of the population close to his mind. Il avait le nombre de la population congolaise dans sa pensée. Kinshasa could have about 25 million of people. Okay, Kinshasa peut avoir 25 millions d'habitants. And the Democratic Republic of the Congo. Et la RDC. Is this, you know, it's the second largest country in Africa. Et vous savez que c'est le deuxième pays le plus grand d'Afrique. With the highest number of the message believers. Avec les taux des croyants du message plus élevés. And the thing that really captured my attention. Et la chose qui a vraiment attiré mon attention. Was how he knew the number.
Je me suis dit comment il connaît les nombres. Il connaît ce pays. He has this population. À cette population. And the number of message believers. Le nombre des croyants du message. But the conclusion was. Mais la conclusion était. We have still a lot of places where the message has not touched. Nous avons beaucoup d'endroits où le message n'a jamais arrivé. You count the number of years since Branham preached the message in America. Vous comptez le nombre d'années après que Branham ait prêché le message en Amérique. But there are many cities where they don't know even Branham. Mais frère, il y a beaucoup de villes où on ne connaît même pas Branham. My own experience when I came to US. Ma propre expérience quand je suis venu aux États-Unis. I was preparing a trip. J'étais en train de préparer un voyage. But I did not really get in touch with the people to know where I'm going. Et je ne suis même pas entré en contact avec les gens pour savoir où est-ce que je suis en train d'aller. The only thing I knew, my cousin is in New York. That's where I'm going. Et la seule chose que je connaissais, c'était que mon cousin était à New York. C'était là où j'allais. I said, once I get there. C'est qu'une fois arrivé là-bas. My mind was, I was thinking like a Congolese. Et ma pensée était que je pensais comme un Congolais. When you land in the airport in Kinshasa, quand vous atterrissez à l'aéroport à Kinshasa, where is the message believer? Où sont les croyants du message? They will tell you that one, that one, that one, that one, that one, and you can talk to them and they can show you the churches. On va te montrer celui-ci, celui-là, celui-là. Tu peux parler, tu peux leur parler. Ils vont te montrer l'église où aller. I landed in JFK. Je suis arrivé à New York. Let me just see the city first. Que je puisse d'abord voir la ville. We went home. Nous sommes allés à la maison. I remember it was a Thursday. Et je me suis rappelé que c'était un jeudi. And Friday. Et le vendredi. I rested a little bit. Je me suis reposé un tout petit peu. Saturday. Et le samedi. I was on the street. J'étais sur les rues. Because I wanted to know where I'm going to fellowship on Sunday. Parce que je voulais savoir où est-ce que je vais aller adorer le dimanche. Those who know New York City. Ceux-là qui connaissent la ville de New York. Queens. Les reines. Queens. La cité à bien à Queens. Oh, la ville de Queens. I was in Queens passing on the street. J'étais dans la ville de Queens en train de passer sur les rues. I see Maranatha Tabernacle. J'ai vu Maranatha Tabernacle. I say, maybe it's a message church. Je me suis dit que ça peut être une église du message. I go there, je suis allé là-bas. I found the janitorial cleaning. J'ai trouvé les bâtiments qui étaient nettoyés. The zeal of a broken English from Africa. Avec les ailes d'un anglais brillant. You greet them. Vous les saluez. And you ask them. Et vous les demandez. Do you? This is where they preach Brother Branham message. Et vous leur demandez, c'est ici on prêche le message de Frère Branham. They say what? Il dit quoi? I said Brother Branham message. Le message de Frère Branham. And they said. You mean Graham? Vous voulez dire Graham? I said not Graham. J'ai pas dit Graham. Branham. J'ai dit Branham. Not here. Non, ici. Thank you. OK, merci. Go to next. Oh, je suis allé au suivant. Brother, I walk Queens. J'ai parlé tout, j'ai marché toute la ville de Until Queens. Until the end of the day. Jusqu'à la fin de la journée. I didn't, you know, Queens is a big city. Vous savez que Queens c'est une grande ville. I could not find it. Je ne pouvais pas trouver cela. I said something is wrong here. Je me suis dit quelque chose ne va pas ici. Kinshasa, everywhere. Where is the message, Branham? They show you, but what about New York? Kinshasa, partout. Quand tu demandes où est le message de Branham, on vous montre, mais ici, il n'y en a pas. And this is the country where Brother Branham lived. Mais c'est ici le pays où Frère Branham a vécu. I went home very, very tired. Je suis allé à la maison très fatigué. And then I took my phone. Et j'ai pris mon téléphone. I called Brother Pastor David Combo. J'ai appelé le pasteur David Combo. And then call his house. J'ai appelé sa maison. At that time, he was a student. Et dans ce temps-là, il était un étudiant. And when the person who picked up the phone. Et quand la personne qui a pris le téléphone. It was Pastor Baruti. C'était le pasteur Baruti. He said, "Ah, frère Lukumana, où allez-vous?" On a commencé à parler. Brother Lukumana, are you here? And we start. But the point was, where is the church? Et je me suis dit, le problème était où se trouve l'église. Oh, I don't know. Also. Et je ne sais pas wait aussi. Wait for Brother David. Attendons Frère David. And then Brother David came. Et quand Frère David est venu. He started explaining to me. Il a commencé à m'expliquer. You catch, you take. The bus until the station. Vous prenez le bus jusqu'à la station. And you go to the subway. Et vous allez dans les sous-sol. And you get off on 71 Forest Hill. I cannot forget that. Et vous prenez le 171 Forest Hill. And then you go north. Vous allez vers le you nord. Know, somebody coming from Africa, north, south, east, west is a strange language. Donc quelqu'un qui vient de l'Afrique, nord, sud, est, ouest, c'est un langage pas familier.
Even if you are new in Denver, même si vous êtes nouveau à Denver, if you want to know north, east, west, si vous voulez connaître nord, sud, est, ouest, stand wherever you are, et arrêtez-vous peu importe où vous êtes. Where you see the mountains, là vous allez voir les montagnes. That's west. C'est ça l'ouest. The opposite is east. Et l'opposé de ces montagnes c'est l'est. And when you face the mountain, your right is north, your left is south. Et quand vous regardez aux montagnes, votre droite c'est le nord et votre gauche c'est le sud. So we went to church. Nous sommes allés à l'église. And I was telling brother. Et je disais au frère. I walk everywhere. J'ai marché partout. Looking for the message church. Cherchant l'église du message. What's wrong with this city? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette ville? He started laughing. Il a commencé à rire. He said, "You see all this New York?" Il a dit que tu vois cette ville de New York. Back then, dans le temps, it was maybe two or three churches. Il y avait que deux ou trois églises. The rest of the churches in New York, Brother Frank, Pastor Simon Peter, Frère Simon Pierre, they were not there at that time. Ils n'étaient pas là dans ce temps-là. Could you imagine the big city like that? Vous pouvez imaginer une grande ville comme celle-là? And even today, même aujourd'hui, one time I was curious to see all the state of the country. Et une fois, j'étais un peu curieux de pouvoir visiter toutes les villes de ce pays. Let me go to Vegas. Je suis dit qu'on aille à Las Vegas. That was my first and last time, and I swear not to go to Vegas anymore. Et c'était ma dernière fois, et j'ai juré de ne plus retourner à Las Vegas. I don't want to tell you the reasons. Je ne vais pas vous dire la raison. But that's don't even go. Ça, je peux même vous dire de les anyway, parler. Sunday, et de toute façon, dimanche, we look for churches. Nous sommes à la recherche de l'église. We were so tired. Nous étions même fatigués. And finally they show us a church. Et finalement, on nous a montré une église. We did not know. On ne savait pas. Brother Branham said, even Catholic church go. Frère Branham a dit que même dans l'église catholique, allez-y. We went. Nous sommes partis. And the pastor was in a skirt. Le pasteur était dans une culotte, dans une jupe. Anyway, de toute façon, I said this, you know, today missionaries, aujourd'hui les missionnaires, fighting everywhere, ils se combattent partout. Brother, because we don't have the vision. Frère, c'est parce que nous n'avons pas la vision. We don't know what the commission of the church is about. Nous ne connaissons pas ce qu'est la commission de l'église. Branham said, Branham dit, in the message, dans le message, what it takes to overcome all unbelief or our faith. Qu'est-ce que ça vaut pour pouvoir vaincre notre incroyance et notre foi? Paragraph 30. Le paragraphe 30. Brother Branham start quoting the scripture we read in the Bible. Frère Branham commence à citer l'écriture que nous avons lu dans la because Bible. Because I believe Jesus sanctified himself. Parce que je crois que Jésus s'est sanctifié lui-même. For our sake. Pour notre bien-être. And he has produced the church. Et il a produit l'église. And what is the commission of the church? Et c'est quoi la commission de l'église? And the church is not the building, it's you. L'église ce n'est pas le bâtiment, c'est vous. Each person in the church must be a preacher. Chaque personne dans l'église doit être un prédicateur. Because that's what Jesus commissioned to the church. Et c'est ce que Jésus a donné comme commission à l'église. And Branham said now. Branham dit maintenant. The last commission Jesus gave to his church was. La dernière commission que Jésus a donnée à son église. Go ye into all the world. Allez partout dans le monde. Preach the gospel to every creature. Prêchez l'évangile à toute la créature. He that believeth. Ceux-là qui croiront. And is baptized shall be saved. Et ceux qui seront baptisés seront sauvés. He that believeth not. Et ceux-là qui ne croiront pas. Shall be damned. Seront jetés. This sign shall follow them that believe. Ces signes suivront ceux-là qui croiront. In my name they shall cast out devils. Dans mon nom ils chasseront les démons. So here we see Brother Branham. Ici nous voyons que Frère Branham talking about Jesus' commission to the church. Il parlait de la commission de Jésus à l'église. What was that commission? Qu'est-ce qu'était cette commission? That means the church has a commission. Ça veut dire que l'église a une commission. Once the church has been washed, quand l'église a été purifiée, consecrated, été consacrée, for which reason? Pour quelle raison? That means there should be a mission. Ça veut dire qu'il doit y avoir there une mission. There should be a job. Ça doit y avoir un travail. That's the reason why we consecrate ourselves. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes consacrés. In the message, I will restore.
je restaurerai. That he preached in Switzerland, Zurich. C'est qu'il a prêché en Suisse, dans la ville de Zurich. Paragraph 8. Le paragraphe 8. Branham said. Branham dit. The first commission. La première commission. The first commission Jesus gave to his church was. La première commission que Jésus a donné à l'Église était. Give to his church. Il a donné à son église. And you are the church of God. Et vous êtes l'église de Dieu. And God has given you a commission. Et Dieu vous a donné une commission. And the first commission. La première commission. Jesus gave to his church was. Jésus a donné à son église était. Heal the sick. Guérissez le malade. Raise the dead. Ressuscitez les morts. Cleanse the lepers. Et purifier les infirmes. Cast out devils. Et chasser les démons. As freely you have received. Et comme vous l'avez reçu gratuitement. Freely give. Donnez aussi gratuitement. And he quote Matthew chapter 10 where we read. Et il a cité Matthieu chapitre 10 que nous avons lu. That was the last commission. La dernière commission. He talked about the first commission and now the last commission. Il a parlé de la première commission, maintenant il parle de la dernière. The last commission. La dernière commission. Jesus gave to his church. Jésus a donné à son église. Listen, friends. Écoutez, amis. The last words that fell from the sacred lips of Jesus said. Les derniers mots qui sont sortis des lèvres sacrées de Jésus disant. Go into all the world. Allez partout dans le monde. That's Denver, Zurich, New York. Ça c'est Zurich, ça c'est Denver, New York. Everywhere. Partout. And preach the gospel. Et prêcher l'évangile. So brother, we see. Frère, nous voyons. That preaching the gospel. Que prêcher l'évangile. Is part of the commission that God has given to the church. C'est une partie de la commission que Dieu a donnée à l'église. And you cannot fulfill that commission. Vous ne pouvez pas accomplir cette commission. If you are not consecrated yourself. Si vous n'êtes pas consacré vous-même. And that's the reason why Jesus has to sanctify himself. C'est la raison pour laquelle Jésus devrait se sanctifier. As he said, comme il a dit. Father, Père, I sanctify myself. Je me sanctifie. For their sake. Pour leur bien-être. And you et vous, and me. Et moi. What's the purpose we sanctify ourselves? C'est quoi le but que nous sommes sanctifiés? We consecrate ourselves. Nous sommes consacrés. For the sake of others. C'est pour le bien-être des young autres. People grown up, you don't come to church to sleep. Et les gens qui sont adultes, vous ne venez pas à l'église pour dormir. There is nobody to stand and start waking you up. Il n'y a pas des gens qui vont se mettre là pour commencer Everybody à vous réveiller. Is coming to listen. Et tout le monde vient pour écouter. And if you come to sleep, you are wasting your time. Et si vous venez pour dormir, vous perdez votre temps. Before you come to church. Avant de venir à l'église. Prepare for the service. Préparez-vous pour le service. The same way you prepare to go to work. De la même manière que vous vous préparez pour aller au and travail. And you know if you sleep at work. Et vous savez que si vous dormez au travail. They will fire you right there. On va vous chasser de juste là-bas. How much more before God? À combien plus forte raison devant Dieu? And you see people fighting. What did you do last night, et vous voyez les gens en train de combattre. Qu'avez-vous fait la nuit passée, frères et sœurs? And maybe during the week you don't have time. Et peut-être pendant la semaine vous n'avez pas le temps. And the few time you come, you sleep. Et le peu de temps que vous venez, vous commencez à dormir. Which kind of life are you living? Quel genre de vie vivez-vous? Which kind of Christian are you? Quel genre de chrétien êtes-vous? Branham continue. In the message, dans le message, it is I, paragraph 46. C'est moi, le paragraphe 46. You know what? Vous savez quoi? I think all together. Je pense ensemble. We have went off without the Lord, see? Nous sommes partis sans le Seigneur, voyez? God is interested in us saving souls. Dieu est intéressé à nous que nous pouvons sauver les âmes. That's the commission. C'est cela la commission. To go after lost souls. C'est pour aller derrière les âmes perdues. Not building buildings. Pas des bâtiments, construisant les bâtiments. Which the buildings are all right. Et les bâtiments aussi c'est une bonne chose. But he wants souls saved. Mais il veut que les âmes soient sauvées. Jesus never did commission his disciples to build the church. Jésus n'avait pas donné la commission à ses disciples de construire l'église. Amen.
Amen. That's not the commission of the church. Ce n'est pas ça la commission de l'église. He never did commission them to make a hospital. Il ne leur a pas donné la commission de pouvoir construire les hôpitaux. Saint Peter, send whatever hospital, it's good. Envoyez Pierre pour l'hôpital et tout ça, c'est bon. But if you put it ahead, mais si vous mettez cela devant, you are majoring on minor. Vous êtes en train de faire des choses qui sont mineures. Amen. The major. Ce qui est majeur. The commission. La grande commission. Is to preach the gospel. C'est pour prêcher l'évangile. Amen. Amen. All those things are all right. Toutes ces choses sont bonnes. But he said, il a dit, preach the gospel. Prêchez l'évangile. And these signs shall follow them that believe. Et ces signes suivront ceux-là qui croiront. Amen. Amen. So in the end time evangelism, dans l'évangélisation au temps de la fin, but today we see people spending billions and billions and billions. Frère, aujourd'hui, nous voyons des gens dépensant des milliards, des milliards. Programmes on television. Des programmes sur les télévisions. Programmes on buildings. Des programmes program sur les bâtiments. Avec sur but ceci. What about the lost souls? Mais qu'en est-il des âmes perdues? Same thing for us. La même chose pour nous. We spend money. Nous dépensons l'argent. On cars, home and this. Dans les maisons, les voitures et but ça. But what about the gospel? Qu'en est-il de l'évangile? How much do you put in the missionary fund? Combien vous mettez dans les champs missionnaires? How we can send people if there is no money? Comment pouvons-nous envoyer les gens s'il n'y a pas d'argent? In the end time evangelism, dans l'évangélisation au temps de la fin, Branham dit. Paragraph 47. He said, il dit, that's the reason I choose today this subject. La raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet aujourd'hui. For my last for a while for the tabernacle. Ma dernière pour depuis longtemps pour ce tabernacle. Ah, pour beaucoup de temps. Pour beaucoup de temps. On end time evangelism. Dans l'évangélisation au temps listen de la fin. To Branham. Écoutez Branham. And when we are doing missionary work. Et quand nous sommes en train de faire l'œuvre missionnaire. Or foreign mission. Ou des missions à l'étranger. With the word of God. Avec la parole de Dieu. We know we are always in the will of God. Nous savons que nous sommes toujours dans la volonté de Dieu. Why? Pourquoi? Because Jesus' first commission to his church was. Parce que la première commission de Jésus à son église était go out and preach the gospel. Aller là-bas et prêcher l'évangile. And this last commission was et sa dernière commission était to preach the gospel. C'était de prêcher l'évangile. Are you with the prophet? Êtes-vous avec le prophète? So that means a consecrated church. Ça veut dire qu'une église consacrée. A consecrated believer. Un croyant consacré. Must have a commission. Doit avoir une commission. And that commission is for each one of us. Et cette commission est pour chacun de nous. But unfortunately. Mais malheureusement. We have forgotten the major. Nous avons oublié la chose and principale. And we are focusing on the minor. Et nous nous sommes focalisés sur les mineurs. Where the Branhamites. Où les Branhamites. They are spending time and time and time. Ils sont en train de passer leur temps, leur temps, leur temps. Fighting with God on the Facebook. Ils sont en train de se combattre avec les citations sur Facebook. And going to have a debate on the television. Et aller avoir des débats dans des télévisions. Trying to convince one on marriage and divorce. Essayant de convaincre l'un sur le mariage et le divorce. That's a big distraction. Ça, c'est une grande distraction. We have forgotten the major. Nous avons oublié la chose principale. We start debating all the debates. Nous avons commencé à nous débattre Jesus sur les débats. Commission to, of the church. La commission de Jésus à l'église. Was not to consecrate ourselves. N'était pas de nous consacrer. To start debating among us. Commencer à nous débattre entre nous. No. Non. When we go that way. Quand nous allons sur cette voie-là. We have forgotten the vision. Nous avons oublié la vision. The devil has distracted us. Le diable nous a distraits. And even sometimes, et même des fois, to our shame, à notre propre honte, believer debating, les croyants qui débattent, before the non-believers, devant les incroyants, this is scripture, oh, cette this écriture, is scripture, cette écriture. You think those people watching, vous voyez quand les gens vous regardent, you think, vous pensez, those people watching, ces gens qui vous regardent, they think you are very knowledgeable. Et ils pensent que vous avez beaucoup de connaissances. Then they give you credit. Et ils vous donnent du crédit. You are offline. Vous êtes en dehors de la ligne.
Because that's not the commission Jesus gave to Parce the church. Parce que ce n'est pas cela la commission que Jésus a donnée à l'Église. Consecrate yourself. Consacrez-vous. For the sake of others. Pour le bien-être des not autres. Not consecrate yourself. Non, vous consacrez-vous. Read the Bible. Lire la Bible. Memorize the code. Et mémoriser les citations. To go fight one another. Pour pouvoir aller combattre l'un l'autre. Those who are in the message. Ceux qui sont dans les messages. Ah, the seven thunder. Les sept tonnerres. Or that thing. Ces choses-là. Ces choses-là. What about the lost soul? Mais qu'en est-il des âmes perdues? How many have you won? Combien as-tu gagné? Branham said. Branham a dit. After every soul being saved. Après que chaque âme soit sauvée. There is a name associated with that salvation. Il y a un nom qui est associé à cette âme sauvée. Brother, let your name be associated with somebody's salvation. Frère, que votre nom soit associé au salut de quelqu'un. Not your name be associated. Non, que ton nom soit associé. With debate on television. Avec les débats dans les télévisions. Debate on Instagram and Facebook. Les débats dans Instagram et Facebook. We become the big discussions or discutateurs or discutateurs du salon. Où nous sommes devenus des grands disputeurs, des gens comme ça. And you find, oh, this is the youth of the message. Et vous allez dire que non, ça, ce sont les jeunes du message. With their forums. Avec leurs forums. It's wonderful. C'est merveilleux. But young people, les jeunes gens, what about the lost soul? Mais qu'en est-il des âmes perdues? And you, even women, et même vous, les femmes, what about the lost soul? Qu'en est-il des âmes perdues? Brother, oh, frère, this morning, ce matin, I change even my subject. Je change même mon when sujet. I read the story, quand j'ai lu l'histoire, about Dwight Moody. Yes, sir. About Dwight Moody. Avec Dwight, sur Dwight Moody. Hallelujah. Amen. There is a guy. Il y a un Brother Branham talking about him several times. Parle de lui à des moments. He talk about Moody. Il parle à propos de Moody. You talk about Moody. Il parle à propos de Moody. What? How did Moody come to salvation? Comment Moody est venu au salut? Oh, God have mercy. Ni Dieu ait miséricorde. We have lost the major. Nous avons oublié la chose principale. Let me continue here. Que je continue ici. Laissez-moi continuer. Branham said. Branham dit. Because parce que we know we are always in the will of God. Nous sommes toujours nous savons que nous sommes toujours dans la volonté de Dieu. Because Jesus' first commission to his church was parce que la première commission de Jésus à son église était go out and preach the gospel. Aller prêcher l'évangile. This last commission was et sa dernière commission était to preach the gospel. C'était de prêcher l'évangile. And all of us et tous de nous we have to contribute. Nous devons contribuer one way or another d'une manière ou d'une autre for the preaching of the gospel. Pour que l'évangile soit prêché. And we read in the Bible, nous avons lu la Bible. We are written epistles. Nous sommes en train d'écrire un épître. Non, nous sommes des épîtres. Nous sommes des épîtres écrits. We read in the Bible, et nous avons lu dans la Bible. We are the salt of the earth. Nous sommes les sels de la terre. We should not lose our flavor. Nous ne devons pas perdre notre flaveur. If we lose, si nous les perdons, what's the purpose of a salt? Quel sera le but de quoi du sel? You know when you eat something, vous savez quand vous mangez quelque chose, it's too cold. It's too cold. C'est très froid. Let me put some salt. Que je puisse mettre un peu de Why? Sel. Why? Pourquoi? That's what the Christian must be. C'est ce que les chrétiens doivent être. The salt of the earth. Le sel de la terre. When the people are thirsty, hungry. Et quand les gens ont soif. When they see a consecrated life. Quand ils voient une vie consacrée. They are longing after. Ils sont en train de courir derrière. Parce que vous êtes le sel. Alléluia. You are the light of the world. Vous êtes la lumière du monde. And the light et la lumière is to shine c'est pour pouvoir in briller dans le noir. Frères et sœurs, c'est quoi votre what lumière? Is your c'est quoi votre témoignage? Qu'est-ce comment vous you brillez? Are putting your light under. Vous mettez votre you lumière en bas. The commission vous avez oublié la commission to win the souls. Pour pouvoir gagner les âmes. Amen. And Branham continue. Et Branham continue. The first time he ever ordained any person to preach the word. La première fois il avait ordonné à chaque personne la première fois qu'il avait. Il avait ordonné à chaque personne de prêcher la parole. And go through the country. Et qu'il puisse aller à travers les pays. He said, il a dit, heal the sick. Guérissez le malade. Raise the dead. Et ressusciter les morts. Cast out devils. Et chasser les démons. As freely you have received. Gratuitement comme vous l'avez reçu. Freely give. Et donner aussi gratuitement. Saint Matthew chapter 10. Saint Matthieu chapitre 10. Sending out 70. Envoyant une
70. Two by two. Deux par deux. That was the first commission. Ça, c'était la première commission. He gave to his church. Il avait donné à son église. And in this, et dans ceci, brother, we cannot compare ourselves. Nous ne pouvons pas nous comparer nous-mêmes. With the Jehovah Witnesses. Avec les témoins de Jéhovah. Jehovah Witnesses. Les témoins de Jéhovah. Every Saturday. Et chaque samedi. They invade the city. Ils vont envahir la ville. Two by two. Deux à deux. Three by three. Trois à trois. Going to homes. Aller dans des maisons. And you make fun of them? Et vous vous moquez d'eux? What do have you done? Qu'avez-vous fait? Have you knocked at least at somebody's Avez-vous door? Avez-vous déjà allé à la aux portes d'une personne? Toqué à la porte. That's why Branham said. C'est ce que Branham a dit. The first time he ever ordained any person. La première fois qu'il avait ordonné à une personne to preach the gospel. De pouvoir prêcher l'évangile. You know, when you consecrate a ministry, vous savez, quand vous consacrez un ministère, read the brother Branham. I don't have time to go in that. Allez, lisez frère Branham, je n'ai pas le temps d'aller là-bas. He consecrated a minister. Il a consacré un ministre. He always said, il disait toujours, go win the, heal the sick. Allez guérir le malade. And go win souls. Et aller gagner les âmes. That's the ordination. Ça, c'est l'ordination. That's the consecration. C'est la consécration. Of every ministry. De chaque ministre. That means every minister, every one of us. Ministre, chacun de once nous, we ordain them, quand nous les ordonnons, we don't ordain them to eat hamburger. Nous leur ordonnons pas pour manger l'hamburger. Nous les ordonnons to heal the sick, pour pouvoir guérir les malades. Cast the devil, chasser les démons. Because the missionary field, parce que le champ missionnaire, you are gonna face those type of challenges. Vous allez pouvoir avoir ce genre de défis. And in the ordination prayer, dans la prière d'ordination, that's what is supposed to be said. C'est ce qui doit être dit. And et, go after lost souls. Et aller derrière les âmes perdues. Amen. Amen. In the message, dans le message, hidden life with Christ. Une vie cachée avec Christ. And I believe every church, et je crois que chaque église, must have a reach out program, doit avoir un programme de rencontre, de reach out to lost souls, un programme d'aller voir les gens, les âmes perdues, de rencontrer les âmes perdues. And sometimes we waste our time, des moments nous perdons notre temps, with discussion, avec les discussions, on the table, dans les tables. With those who are in the message. Avec ceux-là qui sont dans le message. And no one tried to get out to touch somebody et outside. Et personne ne veut sortir pour aller toucher quelqu'un qui n'a pas cru. Branham said here. Branham dit. Want to ask you a question. Je vais vous poser une question. How many members of your family? Combien de membres de votre how famille? How many members of your church tonight? Combien de membres de votre église ce soir? If that angel passed by and seen those people. Et si cet ange passe par là et voit ces gens. So consecrated to God. Qui sont si consacrés à Dieu. That the lost soul was on their heart day and night. Et que les âmes perdues étaient sur leur cœur nuit et jour. Consecration, la consécration, must bring a burden in the heart. Ça doit amener le fardeau dans le cœur. For lost souls, pour les âmes perdues. Day and night, nuit et jour. What do we do with our consecration? Que faisons-nous avec notre consécration? Consecration, la consécration, is for the sake of others. C'est pour le bien-être des autres. And they just cry. Et il and signs for abomination done in Denver here. Et il va pour les abominations à Denver ici. Amen. Amen. Question and answer. Question et réponse. Paragraph 208. Le paragraphe 208. But each one of us is a minister. Faire chacun de nous est un ministre. You have to talk to somebody. Vous devez parler à quelqu'un. You have to witness to somebody. Vous devez témoigner à quelqu'un. You have to reach out to somebody. Vous devez rencontrer quelqu'un pour lui parler. As we read in the Bible, comme nous avons lu dans la Bible, if they don't accept, s'ils n'acceptent pas, just wash your feet et essuyez vos pieds and move out. Et continuez. Your job is done. Votre travail est fait.
You go elsewhere. Vous allez encore quelque part. And never be discouraged. Et ne soyez pas découragé. Or because they don't believe. Mais parce qu'ils ne croient pas. That's not your job. Ça c'est pas ton travail. Your job is to cast the net. Ton travail c'est pour mettre les filets. That's it. C'est tout. The rest. Et le reste. Is the one who said. C'est la personne qui a dit. Nobody comes. Que personne ne vient. If I don't call. Et si je ne l'ai pas appelé. But brother. Mes frères. At least. Au moins. What have you done? Qu'avez-vous fait? All these years since you believed the message. Toutes ces années depuis que vous avez cru à la parole. Do you have your name? Avez-vous, est-ce que votre nom being associated with somebody who is in the message somewhere? Est-il associé à quelqu'un qui a cru le message quelque part? Mais, that was the brother Branham praying. Là, c'était frère Branham qui priait. He said, il dit, may the Lord Jesus bless each one. Is my prayer. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse bénir chacun de vous dans ma prière. C'est ma prière. C'est ma prière. And may you live that you will become so burdened. Que vous puissiez vivre afin que vous puissiez devenir, que vous puissiez avoir le fardeau. May God put on you people. Et que Dieu puisse mettre sur vous les gens. So burdens for lost souls. Que vous soyez chargés pour les âmes perdues. Till you can't sleep day or night. Jusqu'à ce que vous ne puissiez pas dormir nuit et jour. But you have a burden for the soul. Frère, vous avez un fardeau pour les âmes. Hallelujah. Amen. Are you sleeping? Est-ce que vous dormez? You have to have the burden on your heart. Vous devez avoir le fardeau sur votre cœur. What shall I do? Que devrais-je faire? For the lost soul. Pour les âmes perdues. You find a preacher. Vous trouvez un prédicateur. You know, one time. Vous savez, une fois. Let me skip it anyway. Et je puisse sauter ça. You have money. Vous avez l'argent. You don't know what to do. Vous savez pas quoi faire avec. Just say. Dites seulement. I have this 1,000 here. J'ai ces 1,000 ici. For missionary. Pour les champs missionnaires. Can I get somebody who can reach out to somebody somewhere? Je puisse avoir quelqu'un qui puisse aller rencontrer quelqu'un quelque part. Well, let me tell you. Frère, laissez-moi vous dire. That money you put. Cet argent que vous avez mis. If that missionary. Si ces missionnaires. Can win one soul. Peut juste gagner une âme. Your name. Votre nom will be associated sera associé with the salvation avec le salut of that soul. De cet âme. And in God's great book, et dans le grand livre de Dieu, you will be there. Vous serez là-bas. May God grant this Branham Tabernacle. Puisse Dieu mettre, puisse Dieu accorder à ce Branham Tabernacle that privilege, ce privilège of becoming so burdened. D'avoir un tel fardeau. May God grant that great privilege. Que Dieu accorde ce grand privilège. This end time message tabernacle. Qu'à cette église de end time message. The privilege of becoming so burdened. Le privilège d'avoir un tel fardeau. Not wasting time. Ne pas perdre le temps. On the discussions. Dans les discussions. That will not produce nothing. Qui ne vont rien produire. Where each one stand on his position. Là où quelqu'un sera sur sa position. And this is my court. C'est ce que this is where I stand. C'est là où je me tiens. This is also where this stands. C'est là où brother, you are not going to change one another's frère, position. Vous n'allez pas changer la position de l'un l'autre. But mais, there are many people. Mais il y a beaucoup de you gens. You can change que, their life. Vous pouvez changer leur vie. I don't care. Je ne peu importe. If you never shout. Si vous n'avez jamais crié. If you never do anything else. Si vous n'avez fait rien quelque chose d'autre. If you are just so burdened. Si vous êtes seulement dans un tel fardeau. For lost souls. Pour les âmes perdues. Till you can't sleep. Que vous ne pourrez dormir. When you do that, lorsque vous aurez fait cela, the world will be sleeping in here. Le monde viendra ici pour qu'on prie pour lui. To be prayed for. Et pour qu'on prie pour lui. The world coming to be prayed for. Le monde viendra pour qu'on prie pour lui. We will have people coming to be prayed for. Nous verrons les gens venir pour qu'on prie pour eux. Amen. Amen. You will say, oh, I'm
I'm not a preacher. Vous allez dire que je ne suis pas un prédicateur. I'm just a woman. Je suis juste une femme. Oh, brother, I'm just a simple, as people call, I'm just a simple brother in the church. Je suis juste un simple frère dans l'église. Brother, there is no simple brother frère, in the church. Il n'y a pas de frère simple dans l'église. If you call yourself simple brother in the church, si vous vous appelez vous-même un simple frère dans l'église, that means you don't know the commission Jesus gave to you. Cela veut dire que vous ne connaissez pas la commission que Dieu vous a donnée. The commission. La commission. Go ye. Allez. To all the world. Partout dans le monde. Do something to reach out to somebody. Faites quelque chose pour rencontrer quelqu'un, toucher quelqu'un. Amen. Even young people at school. Même les jeunes gens à l'école. Brother in the Congo. Frère au Congo. We have seen even the teachers coming to church. Nous avons vu même les enseignants venir à l'église. Because one of their students. Parce que l'un de leurs étudiants. Maybe from elementary school. Même de l'école primaire. When they give maybe food, quand on donne le à manger, he start praying. Il commence à prier. They give a quiz, on donne un examen. He start praying. Il commence à prier. To the extent, jusqu'à ce que the teacher notice, l'enseignant remarque that this child is different from all others. Que ce garçon est différent des autres. You have brought somebody to Christ. Tu as amené quelqu'un à Christ. You know, we was telling me a story vous savez, of a on me child. Racontait une histoire d'un garçon, d'un enfant. They had a groom in the house. Ils avaient une fête dans leur maison. A groom, un domestique. Un domestique dans leur maison. And you know, the house of the believer very, very on fire for Christ. Et vous savez, la maison des croyants c'est souvent en feu pour. Where Christ. They sing the song of the song books. Et quand ils commencent à chanter des cantiques. And their groom started singing. Et leur domestique a commencé à chanter. All those c'est pas Alem Loto, those people with songs. Et il a commencé à chanter les chansons des autres personnes qui composent. And the little boy came. Et le petit garçon est venu. Passe ça ici, hein. Passe ça ici. Passe. Non, passe not this here. If you cannot sing the love of God. Si tu ne peux pas chanter l'amour de Dieu. Oh, you cannot sing this and this. Et si tu ne peux pas chanter ceci ou not cela. Not that here. Mais pas cela ici. A little girl, et a little boy. Un petit garçon. Brother, frère, it's a life. C'est une vie. You shake somebody's attention. Vous secouez l'attention de quelqu'un. Let me tell you the story of the conversion of Dwight Moody. Laissez-moi vous dire l'histoire de la conversion de Dwight Moody. Dwight Moody. Dwight Moody. He was a little boy. C'était un petit garçon. He did not know anything. Il ne connaissait absolument rien. But there was a woman. Mais il y avait une femme. A woman. Une femme. Somewhere. Quelque part. And that woman. Cette femme-là. She had a burden for lost souls. Elle avait un fardeau pour les âmes perdues. Brother Branham said. Branham a dit. She worked hard. Elle a beaucoup travaillé. And she saved money. Elle a épargné l'argent. Brother, let's go a little bit. Yeah. She saved $1.50. Elle a épargné $1.50. And she said, il a dit, I'm gonna rent a room. Je vais pouvoir louer une maison, une chambre. Maybe a hotel room somewhere. Peut-être une chambre d'hôtel quelque part. I'm gonna invite a preacher. Je vais pouvoir inviter un prédicateur. And then she talked to a preacher. Et il a parlé à un prédicateur. And that was an old preacher. C'était un vieux prédicateur. And the old preacher. Et le vieux prédicateur. He prepared his sermon. Il a préparé son sermon. Based on what God put on his heart. Basé sur ce que Dieu avait mis sur son cœur. And the woman, you know what she did? Et vous savez ce que la femme a fait? She was passing tracts. Elle était en train de distribuer les papiers. To call the people to the meeting. Pour pouvoir inviter les gens à la And réunion. You know what happened in America? Vous savez ce qui se passe en Amérique? When you give them the paper, quand vous donnez les papiers à quelqu'un, ils regardent. Oh, evangelization meeting. Les réunions d'évangélisation. They trash it. Ils mettent ça dans les. And dans the les woman was watching. Et la femme regardait. Oh Lord. Oh Seigneur. All these papers. Tous ces papiers. People are taking. Les gens qui prennent. When they take. Et quand ils prennent. And you see somebody trying to read a little bit. Quelqu'un qui essaie de lire un peu. Oh, you say Lord. Il dit Seigneur. Touch his soul. Et touche son. So that he can come to the meeting. Puisse venir à la réunion. And then, et alors, trash it. Et il jette ça. And suddenly, et soudainement, came a young boy. Il est venu un jeune garçon. With ragged trousers. Avec des locks et des maisons et des pantalons. And Brother Branham said. Et Branham a dit. He wore the suspender of his father.
Et il avait porté les bretelles de son père. And he started coming. Il est commencé à venir. And the lady, et la femme, she has no clue that this one can do something. Il n'avait aucune pensée que celui-ci peut faire quelque chose. She gave her the paper. On lui a donné les papiers. And the boy looked. Et les garçons regardaient. But he could understand it. Il ne pouvait pas comprendre cela. He said, lady. Il a dit, femme. I barely know how to read. Je ne sais pas comment lire. I don't understand what is it. Je ne comprends pas ce que ceci veut dire. Oh, you know, son. Vous savez, mon fils. We are going to have a meeting. Nous allons pouvoir avoir une réunion. At such location. Et à tel endroit. I will be there. Je serai là-bas. And the boy left. Et le garçon est parti. Until the end, et jusqu'à la fin, nobody really received anything. Et personne n'a reçu quelque chose. The lady, la femme, in the rented room, dans la maison qu'elle avait louée, dans la salle qu'elle avait louée, she came, elle est venue, she took something of a wood, elle a pris quelque chose comme le bois, she put it there, elle l'a mis là-bas en bas. She said, this will be the altar, ceci sera l'autel, when they will call for the sinners, quand on va appeler pour les pécheurs, where they will kneel down, là où ils vont pouvoir s'agenouiller. And then the time of the meeting was there, et le temps de la réunion étant arrivé, nobody in the room. Personne dans la chambre là. Dans la salle. It was just that lady. C'était juste cette femme là. With the preacher. Avec le prédicateur. But you know what? Vous savez quoi faire? The anointing is not depending on the number of people in the room. L'onction ne dépend pas du nombre de gens dans la salle. That old preacher. C'est vieux prédicateur. Preach a deep message. Il a prêché un message très profond. And there was that only woman in the room. Mais c'était juste une seule cette femme là dans cette salle. And after that he was going on. Et alors que cela était en train d'aller. The door opened. Et la porte s'est ouverte. And she looked. Elle a regardé. That was that boy. C'était ce garçon là. Who did not know how to read. Qui ne savait pas comment lire. The boy sit down. Oh, les garçons s'est assis. And the preacher continued to preach. Et le prédicateur a continué à prêcher. Like it was thousands of people. Comme s'il y avait un millier de personnes. And he finished. Et à la fin. He called the altar call. Hallelujah. Il a fait l'appel à l'autel. The boy came. Les garçons est venu. He gave his soul. Il a donné son âme. And you know that boy? Vous savez ce garçon là? That was Moody. C'était Moody. Dwight Moody. C'était Dwight Moody. And Branham said, et Branham a dit, Dwight Moody did 1,000 of souls. Il a fait 1,000. Il était 1,000 âmes. Il a gagné 1,000 âmes. Dwight Moody 1,000 of souls. Dwight Moody a gagné 1,000 âmes. Where is the credit of Dwight Moody ministry? C'était quoi le crédit du ministère de Dwight Moody? It was that woman. C'était cette femme là. Who saved her money? Qui a épargné son argent? Qui a appelé le vigneron? Qui a loué la salle? And put the altar. Qui a mis l'autel? And one person came. Et une personne est venue. And 1,000. Et 1,000 personnes ont suivi. You know what you can do? Vous savez ce que vous pouvez faire? You don't know. Vous ne savez pas. Who can be called? Qui peut être appelé? All people don't accept. Les gens n'acceptent pas. People reject. Les gens rejettent. The people make fun of les me. Gens se moquent de but moi. For the sake of one, mais pour le bien-être d'une personne, that only one, c'est juste une seule personne. Alléluia. Amen. Can win thousands of souls. Peut gagner 1,000 âmes. You know, Moody. Vous savez, Moody. Brother Branham said. Brother Branham a dit. Dwight Moody. Dwight Moody. He did not have a good education. Il n'avait pas une bonne éducation. He did not know how to read. Il ne savait pas comment lire. After he got saved, après qu'il soit sauvé, he tried to preach. Il a essayé de prêcher. He started preaching. Commence à prêcher. Sometimes he goes to big auditorium. Des fois, il part dans des auditoires remplis. And one time, et une fois, he opened his Bible. Il ouvre sa Bible. And you know, he tried to read it. Il essaie de la lire. But you know, some complicated words. Vous savez, c'est certains mots compliqués. He want to pronounce. Il veut prononcer cela. He mispronounce. Et il ne sait pas prononcer. He tried to pronounce. Il veut prononcer. He could not pronounce. Il ne pouvait plus. He tried to pronounce. Il essaie de prononcer. He could not. Il ne pouvait pas. And you know the reaction in the room. Vous savez la réaction dans la salle. People start making fun. Les gens ont commencé à se moquer de lui. Ah, c'est un preacher. To the extent. Jusqu'à ce point. Moody. Close the Bible. Il a fermé la Bible. He turned to God. Il a regardé à Dieu. Lord, what do you want me to Seigneur, do? Qu'est-ce que tu veux que and je God inspired something. Et Dieu l'a inspiré quelque and chose. The whole audience et toute l'auditoire was in tears. Était dans les larmes. Amen.
The entire audience in tears. L'auditoire entier était dans les larmes. You know next? Vous savez ce qu'était le suivant? Newspaper. C'était les journaux. They came. Ils sont venus. And start asking people. Ils ont commencé à demander aux gens. What are you going to see in Moody? Qu'est-ce que vous allez voir dans ce Moody? Moody doesn't know how to talk. Moody ne sait même pas parler. They made all the criticism. Ils ont fait tous les critiques. You know, big men. Vous savez, les grands hommes. Are men of vision. Ce sont les gens de vision. Big man Moody. Les grands hommes Moody. He was not worried. Il n'était pas. Because he is a broken language. Il n'avait pas un anglais brisé. Langage brisé. He had a vision. Il avait une vision. To get somebody. Pour pouvoir avoir quelqu'un. Closer to Christ. À Christ. And then, et alors, his manager, et son manager came, il est venu. Say, Moody, il a dit, Moody, do you know what is happening in the newspaper? Connais-tu ce qui se passe dans les journaux? They are making fun of you. Ils sont en train de se moquer de toi. You know, vous savez, Moody did not care about il ne s'est pas mis à regarder qu'est-ce que c'était. And the last word et la dernière parole of the great man, de ce grand homme, when they are about to pass away. Quand il était well, let près me de mourir, read it this way. I will not cela. Skip any bit of the story. Je ne you peux will pas really sauter quelque chose de l'histoire. The conversion. Vous allez voir la conversion of Dwight Moody. De Dwight Moody. Taking the message, the Lamb's Book of Life. Prenant le message, le livre de vie de l'agneau. Paragraph 14. Le paragraphe 14. You don't know, brother, sister. Vous savez pas, frères et sœurs. Your little action. Votre petite action. What that can end for. Vous savez pas c'est à quoi cela peut amener, peut but arriver. If you don't do anything for si, lost si souls. Si vous ne faites pas quelque chose pour les âmes perdues. You think in your mind. Vous pensez dans votre pensée. Oh, the pastor is gonna do. Que les pasteurs le feront. Oh, the ministers are gonna les ministères do. Le feront. They cannot do all. Ils peuvent tout faire. Each one of us has a purpose. Chacun de nous a un but. Talk to your manager. Parlez à votre manager. Talk to your coworker. Parlez à votre during the break time. Pendant les temps de break. Talk to your classmate. Parlez à votre talk to the teacher. Écolier. Parlez à votre why you are enseignant. Always in long skirts. Et vous êtes toujours dans des pourquoi vous êtes because toujours dans les longues jupes parce que God has sent a messenger. Parce que Dieu a envoyé un messager. Because parce que salvation. Et là, le salut. Because parce que oh, that's where I can stop. Ça c'est là où je peux pas m'arrêter. Therefore, si donc, if you want to listen more, si vous voulez écouter beaucoup, here the address. C'est ça l'adresse. Brother, have you done something? Frère, avez-vous fait quelque chose? Since you believe, depuis que vous avez cru, you are always in argument everywhere. Vous êtes toujours dans les arguments quelque part. And that pastor, oh, ce pasteur là, what is preaching is wrong. Qu'est-ce qu'il prêche? And that pas. Church, what they have done. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? That church, what they have done. Oh, regarde ce qu'ils ont what fait. This is what he's doing. Regarde ce qu'ils ont fait. But in the meantime, mais dans l'entretemps, souls dying before you, les âmes sont en train de mourir you devant have vous. Lost conscience. Et vous êtes en train de perdre la conscience. To the major. À la chose principale. You have lost conscience. Vous avez une conscience perdue. But the consecration. Mais la consécration. Is to revive that conscience. C'est pour revivifier cette conscience. Let us read the prophet. Lisons les prophètes. May every Christian in here. Puisse chaque chrétien ici. May présent, their heart burn within them. Puisse son cœur brûler au dedans. To go out somewhere. D'aller quelque part. In the edges and highways. Des longs, des ailes et dans les chemins. And to bring in lost souls. Faire entrer les âmes perdues. No matter how humble it is. Peu importe combien cela est infime. They might bring in one soul. Ils peuvent faire entrer une âme. That would bring in a million behind it. Qui pourrait en faire entrer un million par la suite. Are you with the prophet? Êtes-vous avec le prophète? We don't know what we are doing. Nous ne savons pas ce que nous faisons. But we have a commission. Mais nous avons une commission. Go ye in the world. Allez dans le monde. And preach the gospel. Et prêchez l'évangile. That's the commission given to the church. C'est cela la commission donnée à l'église. And that was the commission of argument after argument. Ce n'était pas la commission d'argument après argument. Oh brother, I see this way. Oh frère, je vois I de cette to manière. Do this way. Je veux faire oh de cette brother, manière. I see this way. Je vois de oh, cette sister, manière. Look at the way. No. Faire cette voie. Non. There is a commission. Il y a une commission. Listen to this. Écoutez. Till sometimes, jusqu'à ce que this little mother, cette petite maman, wonder, Lord, de,
merveilleuse. But they never know. Mais ils ne savaient pas. What they are speaking of when they are talking to a young person. Ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de parler quand ils parlaient à ces jeunes gens. Or some old person. Ou c'est une personne âgée. Or something about their soul. Ou quelque chose à propos de leurs âmes. Grant, Lord. Ou accorde-les, Seigneur. Let us continue to move. Let's skip to paragraph 16. Sautons au paragraphe 16. Oh, where am I here? No. Yeah, let's go to paragraph 16. Allons au paragraphe 16. Branham continue. In the same message. Dans le même message. I'm not sure whether it was Dwight Moody. Je ne sais pas très bien si c'était Dwight Moody. But Brother Branham, many places, he associated that story with Dwight Moody. Mais Frère Branham a beaucoup d'endroits, il associe cette histoire à Dwight paragraph, Moody. I'm on paragraph 16. Je suis au paragraphe 16. I'm not sure whether it was Dwight Moody. Je ne sais pas très bien si c'était Dwight Moody. I believe it was. Je crois que c'était lui. The shoe cobbler. Les cordonniers de Boston. Of Boston. Des cordonniers One de Boston. Day, un jour, listen to this part. Écoutez cette partie. A little woman in the early Methodist days. Une petite femme dans les premiers jours de méthodiste. She wanted to do something for the Lord. A voulu faire quelque chose pour le Seigneur. So she was washing. Ainsi elle travaillait comme lavandière. And she saved her money to get a dollar and a half. Et a fait des économies pour avoir un dollar et demi. And I believe je crois to have an old preacher afin d'inviter un vieux prédicateur to come preach for her. À venir prêcher pour elle. She had to rent a livery stable for a quarter. Et elle a dû louer une écurie de chevaux de louage or something for that night. Et quelque chose comme cela cette soirée-là. Cleans out the stable. Elle a nettoyé l'écurie. And put a little wash bench down for an altar. Il y a placé en guise d'autel un petit banc qui lui servait de planche à laver. And just to show you how simple it is. Et juste pour vous montrer à vous les ménagères. No, brother. How simple it is to you wife, housewives. Combien c'est simple maintenant. It's not about the old femmes ménagères. You housewife, vous les femmes ménagères. You old people, vous les vieilles young gens, people, les jeunes gens. Men and women, femmes et hommes. Whosoever you are, ou peu importe qui vous êtes. You say, oh brother Branham. Vous dites, oh frère Branham. If I could preach, si je pouvais prêcher. You don't have to. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas prêcher. You just. Vous devez tout simplement your testimony. Juste votre témoignage. What is your testimony? C'est quoi votre témoignage? Your influence. Votre influence. What is your influence? C'est quoi votre influence? In which way do you influence others? De quelle manière vous influencez les autres? Very often. Très souvent. You have negative influences on people. Vous avez une influence négative sur les gens. Oh brother, don't follow that. Oh frère, ne suivez pas cela. Do that. Ne faut pas you faire ça. Think you are doing something? Vous pensez que vous faites quelque chose. You are working for the devil. Vous êtes en train de travailler pour le diable. You don't see it. Vous ne le voyez pas. But you have negative influences. Vous avez une influence négative. You have to think about your behavior. Vous devez penser sur votre comportement. What I'm doing? Et qu'est-ce que je fais? Is it gonna get somebody closer to God? Est-ce que ceci peut amener quelqu'un près de Dieu? Away from God. Ou je le fais pour très loin de Dieu. Anyway. Et de toute façon. In order to get somebody closer to God. Pour pouvoir amener quelqu'un plus près de Dieu. You have to be yourself closer to God. Vous devez être vous-même plus près de Dieu. Those negative influences. Ces influences négatives. It's just a sign c'est juste un that signe you are away from God. Vous êtes très loin de and Dieu. That's why you are taking people away from c'est the church. Pourquoi vous êtes en train de ramener les gens très loin de l'église. Your life. Votre vie. And she got some tracts. Et elle avait appris des traités. And went out in the corner. Et elle est allée au coin de la rue. Advertising the meeting. Et a fait la publicité pour la réunion. And passing them out. En distribuant ces traités. Every time somebody would get a hold of it. Chaque fois que quelqu'un en recevait. They throw it down. Ils jetaient cela par terre. Holy roller fanatic. Disant espèce de saints exaltés. Walk out, see? Et espèce de fanatique, ils continuaient. They throw it and continue their way. Et ils continuaient son chemin, voyez-vous? A little old boy come with ragged trousers.
Un pauvre petit garçon vêtu d'un pantalon en lambeaux passa par là. You the young boys here. Vous les jeunes gens ici. Young girls. Les jeunes filles. Sometimes you don't see far. Des moments vous ne voyez pas très loin. You don't have a vision. Vous n'avez pas de vision. But don't you know? Savez-vous? That tomorrow. Et demain. We are gonna leave this place. Nous allons pouvoir quitter cet endroit. Who is gonna take it? Qui va prendre cet endroit? Maybe it's somebody like you. Mais peut-être quelqu'un comme vous. Irénée. Joshua. Also every days. Ou n'importe qui que ce soit. What they are telling you? Ce qu'on vous dit. Make sure. Rassurez-vous. Some of you. Quelqu'un de vous. Can be the pastor's wife. Peut être la femme du pasteur. The minister's wife. La femme du the ministre. The deacon's wife. La femme de diacre. Don't play with your life. Il ne faut pas jouer avec votre vie. So this little boy. Ce petit garçon. Come with ragged trousers. Il est parti avec un pantalon en lambeaux. His daddy's suspenders all up over his shoulder. Les bretelles de son père aux épaules. Hair hanging down his face. Et les cheveux qui lui tombaient sur le visage. Said, what are you giving away? Il lui dit, madame, que distribuez-vous? Said, a track, son. Elle répondit, un traité fiston. She handed it to him like that. Elle lui tendit comme cela. She looked at it and said, il regardait cela et dit, I can't read. Je ne sais pas lire. And said, well. Elle a dit oui. It says there will be a meeting tonight up here. Ça veut tout simplement dire qu'il y aura une réunion ce soir ici. Oh, said it will. Oh, il a dit oh, c'est vrai. Est-ce you que, mind if I come? Et est-ce que ça va vous gêner si je venais? You want? Tu veux? You must come, honey. Tu peux venir, chérie. If you can. Si tu peux. Si all right, possible. I will do that. Oh, ça va, je viendrai. That night. Ce soir là. After all her effort and week. Après tous ses efforts qu'elle avait fournis. The old faithful minister come. Alléluia. Le vieux et fidèle prédicateur vint. Got into the pulpit. Passa à la chair. And prayed. Et pria. Sang a song. Ils chantèrent un cantique. Him and the lady. Lui et la dame. No other people in the audience. Il n'y avait pas d'autres personnes dans l'auditoire. This is a big audience. Ça, c'est un grand auditoire. That means a big audience should bring a lot of people. Et ça veut dire qu'un grand auditoire doit avoir les gens remplis. She sat out in his audience. Elle s'assit là en tant que son auditoire. After a while, started in the door. Quelques instants après, ce petit enfant se présenta à la porte. Was that little ragged looking kid with hair hanging down in his face? C'est ce petit enfant dégueulé chancelant. You know who that was? Et vous savez qui était Dwight Moody. C'était Dwight Moody. Who was the other person who came? Qui connaissait cette personne qui venait? It was Dwight Moody. C'était Dwight Moody. We need some Dwight Moodys. Nous avons besoin de certains Dwight Moody. And Moody. We need also some housewives. Nous avons aussi besoin de femmes ménagères. And we need also those old ragged preachers. Nous avons besoin de ces vieux fidèles prédicateurs. That a woman can use. Que cette femme puisse utiliser. Dwight Moody. That night. Ce soir là. He knelt at the altar. Et il s'agenouilla à l'autel. Send a million souls to God. Et il a envoyé 1 million d'âmes à Dieu. See. Voyez-vous. But listen to this. Faites écouter ceci. You don't know what you are doing. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Amen. Speak a little word for Jesus. Dites un petit mot pour Jésus. Testify. Témoignez. Sing or pray. Chantez ou priez. And like bread upon the water. Et comme du pain sur l'eau. It will return to you someday. Cela vous reviendra un jour. What you do? Qu'est-ce que c'est que vous faites? For the advancement of God's kingdom. Pour le progrès du royaume de Dieu. It will come back to you one day. Ça reviendra à vous un jour ou un autre. Don't remain idle. Il ne faut pas rester là-bas faisant rien. We have lazy people. Nous avons des gens paresseux. They don't do nothing. Ils ne savent rien. They never open their mouth elsewhere. Ils n'ont jamais ouvert leur bouche quelque part. Somebody come your path. Quelqu'un vient chez vous. Talk
talk about Christ. Parlez-lui de Christ. Testify. Témoignez. And live a consecrated life. Et vivez une vie consacrée. Before everybody. Devant tout le Because monde. Parce que you don't know. Vous ne savez pas. Maybe that person you despise. Peut-être que cette personne que vous méprisez. Maybe a soul winner. Peut-être celui qui va gagner les âmes. That prostitute. Cette prostituée là. You are presenting yourself today. Que vous êtes en train de présenter aujourd'hui. With money trying to buy her body. En train de lui donner l'argent pour acheter son Don't corps. Don't you know what she can be tomorrow? Vous ne savez pas, ne savez-vous pas ce qui peut être demain? You are winning her testimony. Vous êtes en train de pouvoir chanter son témoignage. The Bible said. La Bible dit. Scandals or offenses must come. Les scandales et les offenses viendront. But who unto him it happened? Et à qui ça, cela va arriver? Malheur à qui cela va arriver? You become a stumbling block. Vous devenez une pierre d'achoppement. A stumbling block. Une pierre d'achoppement. Instead of your influence to bring people to the kingdom. À la place que votre influence puisse amener les gens au Think royaume. About that twice, brother, Pensez sister. Sur cela deux fois, frères et sœurs. That's right. C'est vrai. Just remember. Juste rappelez-vous. Don't fail. Ne faut pas faillir. Don't fail. Ne faut pas faillir. Win some souls. Gagner certaines âmes. Whatever you do. Peu importe ce que vous pouvez faire. Win souls. Gagner les âmes. Amen. Amen. Whatever you do. Quoi que vous fassiez. Win some souls. Gagner des âmes. Let me stop here. Laissez-moi m'arrêter ici. And go to another message and come back to this point. Et aller dans un autre message et retourner à ce point. Give me the sermon love. Donnez-moi le prédication l'amour. Preach 1956. Prêcher en 1956. Paragraph 16. Brother, we don't know sometimes what 16, we are doing. 16. Frère, vous ne savez pas ce que nous sommes en train de faire. We can take this gospel to somebody. Nous pouvons amener cet évangile à quelqu'un. And our name be associated. Et que nos noms peuvent être associés. With salvation. Avec le salut. Brother, since you have believed, let us be serious. Frère, depuis que vous avez cru, c'est un peu d'être sérieux. How many people through your influence have believed this message? Combien de gens à travers votre influence ont cru ce message? Answer yourself. Répondez vous-même. Paragraph 16. Le paragraphe 16. Let's skip to the highlight to save time. Sautons un peu. Brother Branham said, I asked my wife. Frère Branham dit que j'ai demandé à mon épouse. Not long ago. Il n'y a pas longtemps. I said. J'ai dit. I want to ask you something, honey. J'aimerais te poser une question, chérie. I said. J'ai dit. What is the real true value placed on? En quoi consiste vraiment la vraie valeur? What is the true value? C'est quoi la vraie valeur? I believe I told you that though. Je pense vous avoir dit cela de toute façon. What the true soir, value? En quoi la vraie valeur? Nothing but lost souls. Rien que des âmes perdues. That's the true value. C'est ça la vraie valeur. Nothing else. Rien d'autre. But the lost souls. Rien que des âmes perdues. Is the only thing that got any value in it. C'est l'unique chose qui a de la valeur, de la vraie valeur. Money passes away. L'argent disparaît. You don't do this. I cannot do this. Oh brother, because I have to work. Je ne peux pas faire ceci parce que je dois aller travailler. I got a busy schedule. Je ne peux pas prendre un horaire I très chargé. I cannot take a day off. Je ne peux pas prendre un jour even off. Even to attend the church. Même pour aller à l'église. I cannot do this. Je ne peux pas faire Bunch ceci. Bunch of excuses. Pas beaucoup d'excuses. Backslider. Un rétrograde. Home decay and go away. Les maisons se détruisent. Everything in the earth moves away. Tout sur la terre disparaît. The only value. L'unique valeur. Lasting value. La valeur durable. I rather have one soul in glory. Je préférerais avoir dans la gloire une seule âme. One soul. Une seule âme. One. Une. Uno. Une seule âme. How do they say soul in Spanish? Alma. Uno alma. Une seule âme. Uno. Une seule. Listen to the rest. Écoutez au suivant. I rather have one soul in glory that
I won to Christ. Je préférerais avoir dans la gloire une seule âme que j'ai gagnée à Christ. To know and see that light of gospel circles around that soul. Savoir et voir cette lumière de Dieu tourner autour de cette âme-là. Through all eternity. Durant toute l'éternité. Listen to this. Écoutez ceci. My name to be associated with that. Que mon nom soit associé avec cela. Your name. Ton nom. Be associated. Étant associé. With at least one soul in the glory. Pour au moins une seule âme dans la gloire. Brother, there is no association of your name. Frère, s'il n'y a pas d'association avec votre nom. No, there is no association of name. Il n'y a pas d'association des noms. For all the souls that we debated on Instagram. Pour toutes les âmes pour lesquelles nous sommes débattus dans Instagram. The time wasted on Instagram, le temps perdu dans l'Instagram, Facebook, and all these discussions, et toutes ces discussions, Brother Branham said, Branham a dit, it's a prostitution of time. C'est la prostitution de temps. The maximization of your time, la maximisation de votre temps, is to get at least one soul, c'est pour gagner au moins une seule âme, in glory, dans la gloire, associated with your name, qu'il soit associé à votre nom. And here Branham did not say, et Branham ici n'a pas dit, it's about the preachers, c'est pour les prédicateurs, it's a whosoever, c'est pour n'importe qui, his name, son nom, is associated, est associé. Brother, let me tell you, laisse-moi vous during dire, this time of consecration, pendant ce temps de consécration, you have to turn your vision. Vous devez tourner votre vision said, et dire I want my name. Je veux que mon nom. I want my name. Je veux que mon nom. To be associated tomorrow. Que soit associé demain. With some soul. Avec certaines âmes. That I'm gonna send to heaven. Que je vais pouvoir envoyer au ciel. Hallelujah. Amen. We need some mothers. Nous avons besoin de certaines ménagères avec certaines ménagères that will work qui vont travailler with a preacher avec un prédicateur to get in moody. Pour pouvoir amener des moody. And sister, et frère, sœur, sometimes des fois, moody is not far away. Et moody n'est pas très loin. He can be just your son too. Il peut être aussi ton fils. Like the Wesley family. Comme la famille Wesley. Susan Wesley. Comme Susan Wesley. 17 children. 17 enfants. A consecrated mother. Une ménagère consacrée. And Brother Branham said. Frère Branham a dit. During that time. Pendant ce temps-là. They don't have a washing machine. Il n'y avait pas de laundry, de machine à laver. She washed the clothes with her hands. Elle nettoyait les habits avec ses propres mains. 17 kids. Avec 17 enfants. Branham said. Madame a dit. She had at least 2 or 3 hours a day. Il avait au moins 2 à 3 heures le jour. To talk about God to his kids, pour children. Pour pouvoir parler de Dieu à ses enfants. But today, mais aujourd'hui, you the mothers, vous les ménagères, with all the machines, avec toutes les machines à laver, God have mercy. Et Dieu puisse avoir remember, sister, we are all going to the same heaven. Nous sommes en train tous d'aller dans le même ciel. Everything is as easy. Toute chose ici est facile. You press the button, vous poussez le bouton, ça commence à rouler. The machine. La machine. You take from this machine, vous enlevez de cette machine, another machine. Mettez dans une you autre press machine, the button. Vous poussez le bouton, ça commence à rouler. Dry out. Et c'est séché. No 10 minutes to talk to your kids. Tu n'as même pas 10 minutes pour parler à tes enfants. But mais instead, à la place, you have a lot of time on the phone. Vous avez beaucoup de temps au téléphone. Prostitution of time. La prostitution de temps. A consecrated life. Une vie consacrée. Is a life you complete it anyway. Because c'est une vie, vous we allez compléter vous-même. Parlons sur la consécration. Branham a dit, my name to be associated, que mon nom soit associé with that, avec cela, then to have every penny of money, que d'avoir sous d'argent, in the whole earth, dans le monde entier, cause I have to lose it, parce que je vais perdre cela. But what you send up there, mais ce que vous allez envoyer là-bas, is eternal. C'est éternel. That's the reason we are trying. C'est la raison pour laquelle nous fournissons des efforts. Brother, sister, frères et sœurs, what do you do? Qu'est-ce que vous faites? What have you done? Qu'avez-vous fait?
What have you done? Qu'avez-vous fait? Today the people are in the church. Aujourd'hui les gens sont dans l'église. But you never even talk to your neighbor. Vous n'avez même pas encore parlé à votre voisin frère. You never talk to your coworker. Vous n'avez jamais parlé à votre collègue de travail. To the extent they even don't know that you are a Christian. Et jusqu'à au point où ils ne savent même pas que tu es chrétien. What a shame. Quelle honte. What a shame. Quelle honte. When something doesn't work. Quand, at work, quand quelque chose ne marche pas au travail. Everybody criticizing the supervisor. Tout le monde critique les superviseurs. I told you before you come here. Oui, je vous ai dit avant que he's vous always venir, like that. Il est toujours comme cela. Let your light shine too. Laisse que ta lumière puisse briller. Maybe you can bring that coworker to the message. Peut-être que vous pouvez amener ses collègues au message. Oh, they use our bonus. Et ils nous prennent nos bonus. It's a shame. C'est une honte. We are salt. Nous sommes les sels. That's the scripture. C'est ça l'écriture. We are a shining light. Nous sommes une lumière qui brille. Amen. Let's go back to Moody. Retournons à Moody. Taking the message divine healing. Nous prenons le message la guérison divine. Dwight Moody. I wonder why the people don't name their kids name like this. Je me demande pourquoi les gens ne donnent pas des noms comme ceci. They said, "Oh, we are tired with the name of the Bible." Ils disent que nous sommes fatigués avec les noms de la Bible. Maman a Moody. Mother, Moody's mother. Ah. To open say next Moody. On va lui donner le nom de Moody. We'll give him next name will be Moody. Paragraph 227. Paragraph 227. When I stood not long ago by the side of that great founder standing there. Lorsque je me suis tenu il n'y a pas longtemps près de ce grand fondateur qui se tenait là. I looked and I thought, oh God. J'ai regardé et je me suis dit, oh Dieu. Look there. Regardez là-bas. Dwight Moody. Dwight Moody. I thought. Je me suis dit. Look up here. Regardez là-bas. And that man. C'est cet homme. The things that he believed in. Les choses qu'il croyait. You know, Brother Branham studied all those big men. Vous savez, Frère Branham étudiait tous ces grands hommes. Even if he said the first, the second age is Irenaeus. Même si il pouvait dire que le deuxième âge c'était Irénée. But there were some other names: Polycarp, Finney, Moody, all these. Polycarp, Finney. They are great people. C'était des Brother Branham has to analyze the life of each one. Et Frère Branham avait à analyser la vie de tout un chacun. To come to the selection. Pour pouvoir arriver à la sélection. But Paul was not the only one. Mais Paul n'était pas le seul. Irenaeus was not the only one in the age. Irénée n'était pas le seul. Martin was not the only one. Martin n'était pas le seul. Luther was not the only one. Luther n'était pas le seul de son âge. It's like here. C'est comme ici. You are not the only one. N'êtes pas le seul. Each person has to do something. Et chaque personne doit faire quelque chose. And wonder what have you done so far. Et demandez-vous qu'est-ce qu'avez-vous fait depuis longtemps. Moody believed in. Moody croyait en the power of God, la puissance de Dieu, the supernatural, les surnaturels, uneducated, un homme sans instruction. His book that you read, ces livres que vous lisez, you see who wrote them. Voyez qui les a écrits. He wrote them himself. Il les a écrits lui-même. But who polished them up? Mais qui en a amélioré la grammaire? His grammar was terrible. Sa grammaire était médiocre. You can just speak some of the American people. Vous pouvez parler à certains des Américains. One wrote me a letter one time. Une personne m'avait écrit that thing une you lettre. Said, you said on your. Des choses que vous dites dans votre. The thing you said on your pulpit. Des choses que vous dites dans votre. An American. To say pulpit. Un Américain pour pouvoir dire pulpit.
people know just to say they are very eloquent. Et les gens savent seulement dire qu'ils sont très give éloquents. Them a paper. Donnez-leur les that's papiers. Why even those born here. C'est même ceux-là qui sont you nés put ici. Them in college. Vous les mettez au collège. English 101. Et anglais 101. They struggle. Ils sont en train de they don't know battre. Grammar. Ils they savent don't pas know la nothing. Grammaire. Ils savent rien. So for Moody, it did not matter anything. Moody, cela ne lui importait peu. The book he wrote. Et les livres qu'il avait. Somebody lu, has to fix them. Quelqu'un en avait amélioré the la grammaire. The bottom line. La chose principale. Is your ideas. C'est vos idées. Not how much you speak. Pas combien vous parlez. That's seminary. C'est ça, c'est le séminaire. And Branham continued. Branham continue. He said Moody. Il dit Moody. He had about a third grade education. Il avait à peu près une instruction de troisième primaire. Third grade education. C'était troisième primaire, une instruction de troisième primaire. And an old shoe cobbler. Et c'était un vieux cordonnier. But brother. Et mes frères. He sent half a million souls to God. Il a envoyé un demi-million d'âmes à Dieu. How much more you? À combien plus forte raison vous? With your Polish English. Avec votre anglais fini. You have been here. Vous avez été ici. You speak English very well. Vous parlez très bien l'anglais. Very Polish. Vous parlez en anglais. With everything in place. Avec chaque mot à sa place. Have you spoken to somebody at least once? Avez-vous déjà parlé à une personne même une seule fois? And send half a million souls to God. Il a envoyé un demi-million d'âmes à Dieu. See? Voyez-vous? What was it? Qu'est-ce que c'était? They had turned him out of the church. Ils les ont chassés de l'église. And said he was a fanatic and everything else. Et ils ont dit que c'était un fanatique et tout le reste. But he went out and seen a bunch of men. Mais il est sorti et a rencontré un groupe de gens. He had a message on his heart. Il avait un message sur le cœur. Brother, the burden should be in your heart. Frère, le fardeau devait être sur votre cœur. If there is no burden, s'il n'y a pas de fardeau, you call yourself whatever name. Vous pouvez vous appeler n'importe quel nom. There is nothing. Il n'y a rien. There is no burden. Il n'y a pas de fardeau. There is nothing you do. Il n'y a rien que vous faites. And if you don't watch, et si vous ne regardez pas, you will be an instrument in the hand of the devil. Vous serez un instrument dans les mains du diable. He had a message on his heart. Il avait un message sur le cœur. He had to preach so much. Il devait absolument prêcher. He did not know what to do. Il ne savait que faire. So he went and bought a shoe box from a man. Il est allé acheter une boîte à chaussures auprès d'un homme. Wood big old wooden shoe box. En bois grand, une grande boîte à chaussures en bois. Paid a dime for it. Et il a he paid a dime for it. Et il a payé un penny pour cela. Il a payé un penny pour cela. Set it out on the corner. Et il l'a placé à un coin. And oui. This man coming by. Et ces hommes qui passaient he à côté. He stood there and preached right on the corner to them like that. Il s'est tenu là et leur prêchait juste au coin de la rue comme cela. That's right. C'est juste. And I think of a church. Et je pense à l'église. That he had. Qu'il avait considéré. And looked at the Moody Bible today. Et qu'il regardait à la Bible de Moody aujourd'hui. Amen. Amen. That was the life of Moody. Ça c'était la vie de Moody. A great man. Un grand homme. As you come to the end of your journey. Alors que vous arrivez à la fin de votre voyage. They are gonna say some last word of their life. Ils vont quand même dire certains derniers mots de leur vie. Probably, certainly, each one of us. Probablement, certainement, chacun de nous. When we come to the end of our journey, quand nous arrivons à la fin de notre voyage, we will say our last word. Nous dirons notre dernier mot. And Branham said, Branham dit, in the message, dans le message, and an uncertain sound, un son incertain. Paragraph 21. Paragraphe 21. I had a book. J'avais un livre. I suppose I've got it somewhere at home. Je suis supposé que je l'ai quelque part à la maison. Of great men's last words before they left the world. Des derniers mots de grands hommes avant qu'ils ne quittent ce monde. Both sinner and saint. Tous les pécheurs et les saints. I got Dwight Moody's. J'ai celui de Dwight Moody. And many the other great saints that left the world. Et beaucoup d'autres grands saints qui ont quitté ce monde. Moody. When death strike him. Quand les roues de la mort l'ont pris. He said. Il a dit. And you call this death?
Et il dit, vous appelez ceci la mort. He said, il a dit, this is my coronation day. C'est aujourd'hui le jour de mon couronne. De ma célébration. You call it death. Et vous appelez cela la mort. This is the day of my reward. C'est le jour de ma récompense. Paul said. Paul a dit. You call it death. Vous appelez la mort. It's a gain for me. C'est un gain pour moi. If you have done a good job. Si vous avez fait un bon travail. You have reached out to the souls. Vous avez rencontré les frères. The work you have done. Le travail que vous avez fait. Is not gonna be in vain. Ce ne sera pas en vain. It's not gonna be in vain. Ça ne sera pas en vain. God. Dieu. Will always remember. Va pouvoir se rappeler de your cela. Effort, vos efforts. Your sacrifices. Vos sacrifices. Remember Daniel Curry. Appelez-vous de Daniel Curry. After he has done almost condemned. Après qu'il ait fait toutes ces choses. Oh, have a big evangelist. Il est avant d'être un grand évangéliste. Your name is not here. Votre nom n'est pas sur les livres. The only thing to do. La seule chose à faire. Is for you to go on appeal. Et c'est pour que tu puisses aller en appel. And as he starts going, alors qu'il était en train d'aller, expecting, il a espéré une voix, you are condemned, que vous êtes condamné, but instead, à la place, it was a different voice. C'était une voix différente. Daniel Curry, Lord, le Seigneur, he stood for me, il s'est tenu pour moi, when he was on the earth, lorsqu'il était sur la terre, even though, même, he has done this, même s'il a fait cela, he has done this, il a fait ceci, but Father, mais Père, I know one thing, je sais une chose. Daniel Curry stood for me. Il s'est tenu pour moi. Et comme je suis ici, to stand for him. Je suis là pour me tenir pour lui. Frères et sœurs, who is gonna stand for you? Qui va pouvoir se tenir pour vous? Who's gonna stand for you? Qui va se tenir pour vous? The people you are casting away from les gens the church, que vous êtes en train de chasser de l'église. The people you are being a stumbling block. Les gens pour lesquels vous êtes une pierre d'achoppement. That prostitute. Cette prostituée. When you look on the right and left. Quand vous regardez à gauche et à droite. Nobody there. Personne n'est pas là. Brother. Frère. Keep in mind. Gardez à l'esprit. The world. Le monde. Is watching you est en train de vous regarder in the way you don't know. De la manière que vous ne le I savez pas. It was Reverend Branham. Il y a Reverend Branham. He gave me a testimony one time. Il m'a donné un témoignage une fois. He said, il a dit, one day I was somewhere. Et une fois j'étais quelque part. In the city. Dans la ville. A sister came. I think it was a sister. Eh? Une sœur est venue. God bless you, brother. Dieu bénisse, frère. You are a minister, right? Vous êtes un ministre, n'est-ce pas? How do you know me? Je dis comment vous me connaissez-vous? You preach. Mais vous prêchez. I've seen you on YouTube. Je vous ai vu sur YouTube. And the brother Branham said. Et frère Branham a dit. What if? Mais si qu'est-il arrivé si? She saw me doing some stupid. Elle m'avait vu en train de faire quelque chose de mauvais. What a stumbling block would I be? Quelle pierre d'achoppement serais-je? What a responsibility we have. Vous savez quelle responsabilité nous avons? You come here. Vous venez ici. You lead the song. Vous conduisez les chansons. You come here. Vous venez ici. You preach. Vous prêchez. You come here. Vous venez ici. You interpret. Vous interprétez. Don't you know? Vous ne savez-vous somebody pas? Somebody sees you. Quelqu'un vous voit. Amen. You may go to maybe a prostitute. Vous pouvez aller peut-être chez une prostituée. You look around. Vous regardez à côté, à droite, à droite. Or maybe. Peut-être. You go to those porno movie places. Vous allez dans les endroits où on regarde les films pornographiques. You look at the left on the right. Vous regardez à gauche, à droite. Nobody. Il n'y a personne. And then you get in. Et là, vous entrez. What if you get in? Mais que va-t-il arriver si vous entrez? The cashier. C'est lui qui reçoit l'argent. Is an old backslider message. C'était un grand. Un rétrograde. Yeah. C'est ah. Pastor, you too. Pasteur, vous aussi. Brother, you will not watch the next movie. Frère, vous ne regarderez pas les films suivants. You should be on your knees. Vous serez sur vos genoux. Oh Lord. Oh Seigneur. Shame. Quelle honte. Brother, everybody. Frère, chaque personne. Has their own judgment. A son propre jugement. Of each one of us. De chacun de nous. Try to do your best. Essayez de faire votre and meilleur. And never, never be a stumbling block for somebody. Ne soyez jamais une pierre d'achoppement pour quelqu'un. The Bible said. La Bible a dit. If you be. Si vous êtes. I want to read the scripture correctly. Je vais lire cette écriture correctement. I don't know. Is it in the book of Matthew?
Je ne sais pas si c'est dans le livre de Matthieu. Yes, give me Matthew chapter 18. Donnez-moi Matthieu chapitre 18. Verse 6. Le verset 6. He said the judgment is going to be terrible. Il dit que le jugement sera terrible. Better not to have lived. Il ne faut même pas préférer n'avoir pas vécu. Matthew 18:6. Il dit Matthieu 18:6. But whoso shall offend one of these little ones which believed in me. Ok. Et quiconque est une occasion de chute pour l'un de ces petits qui croit à moi. Just listen to this. Il sera avantageux. And whoso, brother, are you in advance or behind? Sometimes you fall behind, sometimes you are ahead. But whosoever shall offend one of these little ones which believe in me. Et quiconque est une occasion de chute pour ces petits qui croient à moi. It were better for him that a millstone were hanged about his neck. Il serait avantageux pour lui qu'on lui eût pendu au cou une meule d'âne et qu'il lui. And that he were drowned in the depth of the sea. Et qu'il lui était noyé dans les profondeurs de la mer. Are you with the scripture? Êtes-vous avec les écritures? That is calling us. Ça nous appelle. To sanctify ourselves. De pouvoir nous sanctifier. For the weak people among us. Pour les gens qui sont faibles au milieu de among nous. Us even elsewhere. Mais qui sont peut-être au milieu de nous maybe ailleurs. Your boss come and insult you. Peut-être que ton patron vient t'insulte. Keep in mind. Gardez à l'esprit. Maybe. Peut-être. I can lead him to the Lord. Et je peux l'amener au Seigneur. Keep that in your mind. Gardez cela à l'esprit. Somewhere, somebody. Quelque part. Something happened. Quelque chose arrive. Oh brother. Oh frère. Don't you react to the actions. Il ne faut pas réagir à l'action. But think in your way. Mais pensez de Christ manière. Christ sanctify himself. Christ s'est sanctifié. For me. Pour moi. Let me also sanctify myself. Que je puisse aussi me sanctifier. For the sake of others. Pour les autres. You see. Vous voyez. Verse 7. Verset 7. Woe unto the world because of offenses. Malheur au monde à cause des occasions de chute. For it must needs be that offenses come. Car il est nécessaire qu'il arrive des occasions de chute. But woe to that man by whom the offense cometh. Mais malheur à cet homme par qui l'occasion de chute est arrivée. Brother, our life. Frère, notre vie must be a perfume of good smell. Doit être le parfum de bonne odeur. Not be a stumbling block. Il ne faut pas être une occasion de chute. And you think that's your right. Et vous savez que c'est ça votre droit. You can do whatever you want. Vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Jesus also could do whatever he wants. Jésus aussi pouvait faire ce qu'il voulait. But when he thought about you and I, mais ce qu'il a pensé sur vous et moi, he said, Father, il a dit, Père, I sanctify myself. Je me sanctifie. I will not have a house. Je n'aurai pas de maison. I will not go to school. Je n'irai pas à l'école. I will not have children. Je n'aurai pas d'enfants. I will not have a car. Je n'aurai pas de maison. So that my people que mes gens could have a car, qu'ils puissent avoir leur voiture, etc. Going back. Retournant. So as Moody was dying, comme alors que Moody était en train de mourir, he said, il a dit, it's a day of coronation. C'est le jour de ma récompense, de ma célébration. To celebrate. C'est un temps de when célébrer. I will, because soon, parce que bientôt, with the work I've done, avec les œuvres que j'ai accomplies, I'm gonna face the maker. Je vais pouvoir rencontrer celui qui m'a the fait. One I won the souls for. Celui pour qui j'ai gagné des âmes. And I'm expecting him to say, et je m'attends à ce qu'il dise. Well done, my humble servant. Bien fait, mon humble serviteur. Enter ye. Entrez. In the joy of salvation. Dans la joie du salut. Brother, one day each one of us. Frère, un jour l'un de nous. Each one of us. Chacun de nous. Will come to the end. Il arrivera à la fin. What will be the word you are going to hear? Quelle sera la parole que vous allez écouter? A stumbling block. Une pierre d'achoppement. Or a blessing. Ou une bénédiction.
In the message unchangeable, God in unexpected way. Dans le message, le Dieu immuable, dans une voix. Paragraphe 149. Paragraphe 149. What about your Dwight Moody? Qu'en est-il de votre Dwight Moody? One of the greatest you have had since Charles Finney. L'un des plus grands que vous n'avez vu depuis le temps de Charles Finney. You know, Brother Branham talk about all those names. Ça me ferait maintenant parler de tous ces noms. Brother, don't you be just oh they are good names or whatever. No. Ne soyez pas comme eux. Ce sont des they are good people. Ce sont des bonnes personnes. Amen. Amen. They have worked their way. Ils ont eu des voies. Talking about Dwight Moody. Parlant de Dwight That's Moody. Right. C'est What vrai. About Moody? Qu'en est-il de Moody? He hardly could read his name. Il pouvait difficilement lire son nom. Little old shoe cobbler. Il était, c'était un petit vieux cordonnier. One day, un jour, over, he was preaching to the Cockney over in England. Et quand il était en train de prêcher à Cockney dans l'Angleterre. The intellectual people. And he tried to read the Bible. Il a essayé de lire la Bible. And he mispronounced it. Et il prononçait très mal. What? Quoi? I think he called Philistine something. Et je crois qu'il avait appelé le mot Philistine quelque chose. Some kind of word he made it. Genre de mot. He went back after the verse. Il est retourné au milieu du verset. He tried again. Il a encore essayé. He thought he would have time to try to spell it out. Il pensait qu'il pouvait arriver à bien le prononcer. Missed it again. Il a encore manqué la occasion. He went back. Il a encore retourné. And read the whole thing over. Il a lu encore la chose tout entière. And missed it again. Il a encore manqué l'occasion. He closed the Bible. Il a fermé la Bible. And he knows. Et il savait. That them Cockney were sitting there. Et que ces intellects qui étaient assis là-bas. It's got to be intellectual to them. It's bien pour eux d'être intellectuel. He closed the Bible. Il a fermé la Bible. And he said, Lord God. Seigneur Dieu. I will speak with the tongue that you sent me in. Je vais parler avec la langue que tu m'as envoyée. Brother, frère, he tore that place to pieces. Il a déchiré cet endroit avec deux pièces. En pièces. Did it. Il a fait. The tears rolled down his cheeks. Les larmes sont descendues sur ses joues. A newspaper came to investigate. Un journal est venu investiguer. To see why he was drawing so many people. Pourquoi il était en train de ressembler beaucoup de gens. And a newspaper came and wrote up an article and said. Et le journal est venu et a écrit un article sur ça et a dit. Why would anybody come to see Dwight Moody? Pourquoi tout le monde voudrait venir voir Dwight Moody? He said. Il a dit. The first thing, la première chose, he's so homely to look at. Il n'est pas quelqu'un beau à voir. He was not homely. Il n'était pas beau à voir. Vilain. Il était vilain. And said, il a dit, the next thing, la said, chose suivante, il dit, he talks through his nose. Il parle à travers son nez. Brother, if you come to see what the preacher is doing, vous savez, frère, si vous venez pour voir ce que le prédicateur fait, you are gonna waste your time. Vous allez perdre votre temps. Oh, what he wear doesn't match. Oh, ce qu'il avait porté ne concordait pas. But his life matches the gospel. Mais sa vie il concorde avec la parole, l'évangile. So they started talking about Moody. Ils ont commencé à parler de Moody. And they said the first thing. He's so homely to look at. Il était vilain à voir. And said the next thing. Et la chose suivante. He talks through his nose. Il parle au travers de son nez. He doesn't know how to pronounce certain words. Il ne sait pas comment prononcer certains mots. He hasn't got. Il n'a rien. A good speech. Il n'a pas un bon discours. And he said. Il a dit. His grammar is the poorest to nothing. Sa grammaire est la plus pauvre de rien. And he said. Il a dit. He's horrible to look at. Il est horrible même à regarder. He's fat. Il est gros. And round. Et il est en rond. And whiskers all over his face. Et il a des choses sur sa face. And they call him everything nearly. Et on l'a appelé tous les mots du monde presque. Brother, don't look at the
appearance of anybody. Frère, ne regardez pas l'apparence de quelqu'un. His manager came up and said, Mr. Moody. Son manager est venu et lui a dit, Monsieur Moody. Here is what the paper said about you. Regarde ce que les journaux disent à propos de toi. Some people want you to pay attention. Certaines personnes voudraient que tu puisses attirer ton attention. On the negative. Et sur les négatives. He read what it was. Il a lu ce que c'était. Mr. said. Monsieur a dit. Why would anybody come to see Moody? Pourquoi tout le monde voudrait venir voir Moody? And Mr. Moody. Et Monsieur Moody. Just passed off one sentence and said. Il a juste sorti une phrase et a dit. Sure enough. C'est assez. They come to see the Lord. Ils sont venus voir le Seigneur. Amen. The Lord hiding himself in that homely face. Le Seigneur lui-même s'est caché dans cette face vilaine. And that's exactly what they say about Branham. C'est exactement ce qu'on a dit sur Branham. Oh, he never went to school. Il n'est jamais parti à l'école. He did this. Il a fait ceci. He's a grammar. Il est son grammaire. Sometimes we read the quote here. Sometimes you look at to say. Des fois, nous lisons les citations et si vous regardez, vous dites. But you read between the lines. Mais vous êtes en train de lire entre les lignes. Because you love that preacher, parce que vous avez aimé ce prédicateur, you will not see his negative things. Vous n'allez pas voir ces choses négatives. The first must be the love. Le premier doit être l'amour. You love Moody. Regardez, vous aimez Moody. Even if he speaks through his nose, même s'il parle au travers de son nez, you will try your best to get it. Vous allez faire de votre mieux pour saisir quelque chose. He has done whiskies on his face. Il a fait des choses whisky sur son visage. It doesn't matter. Cela ne vous importe peu. Mais la chose what est, is coming out? Qu'est-ce qui vient? What that can do to my soul? Ce qui vient de sa bouche, qu'est-ce que cela peut faire à mon âme? Alléluia. Amen. And Moody said, et Moody a dit, they come to see the Lord. Ils viennent voir le Seigneur. That's all. C'est big men. Les grands don't go to the little discussion. Ils ne vont pas dans des petites discussions. Manager. Balobirini. I'm talking through the nose. Ou bien, down on the bar, check. When I talk, I say. It doesn't matter. Ça n'importe quoi. Get the message. Prenez le message. Moody, he knew that God created me this way. Il savait que Dieu l'avait créé de cette manière. I'm happy the way God created me. Il savait que la manière dont Dieu m'a créé. And they said a lot of things. Ils ont dit beaucoup de choses. In another message, dans l'autre message, Brother Branham said, Branham a dit, they said Moody. Ils ont dit Moody. He was a bald head. Il était quelqu'un qui n'avait pas de, qui avait des cheveux. Dibandi. Oh. He had a bald head. Il c'était quelqu'un qui n'avait pas de. They despise you for everything. On l'a tiré de tous les mots. Brother, préfère. Stay focused on the major. Restez focalisé sur la chose principale. If you follow what people are saying. Si vous écoutez ce que les gens disent. You are gonna miss heaven because of them. Vous allez pouvoir manquer le ciel à cause d'eux. Some of them are there. Certains d'eux sont là. Like Judas was with Jesus. Comme Judas était avec Jésus. Did you see Jesus wasting his time? Avez-vous Jésus perdre son temps? To argue with Judas. Pour pouvoir discuter avec Judas. And somewhere in the Bible. Et quelque part dans la Bible. That was Jesus. Ça c'était Jésus. He said. Il a dit. You know. Vous savez. All these things. Toutes ces choses. I can pray my Father. Et je peux prier mon Père. And send 12 legions of angels. Envoyer 12 légions d'anges to come and destroy all these people. Pour venir et détruire tous ces gens. But I cannot do it. Je ne peux pas le faire. You know, some people, vous savez, certaines personnes, they can talk to your nose. Ils peuvent parler à votre nez. But you know, mais vous savez, you can break them with one punch. Tu peux les briser avec un seul coup. But for their sake, mais pour le bien-être, I will not call the angel. Je ne peux pas appeler les anges. I want to sanctify myself. Je veux me sanctifier so that they can be saved. Pour qu'ils soient sauvés. Oh Moody, oh Moody, you have a bald head. Vous avez une calvitie. Oh Moody, oh Moody, you are this. Vous êtes ceci. If you are coming to see Dwight Moody, si vous venez ici pour voir Dwight Moody, that's different. Ça c'est différent. You have to be something to look at. Vous devez être quelque chose à quoi regarder. Brother, frère. If you are coming for an intellectual speech, si vous êtes en train de venir pour un discours intellectuel, that's what you are looking for. C'est ce que vous êtes en train de chercher. That's what you expect. C'est ce que à quoi vous attendez. But if you come to see the power, mais si vous venez pour voir la puissance, and demonstration of the Holy Ghost, la démonstration du Saint-Esprit, it will take the power of God out of heaven. Ça va prendre la puissance de Dieu du ciel to do it. Pour pouvoir le faire. That's right. Ça c'est vrai.
depends on what you are looking for. Cela dépend de ce que vous êtes en train de chercher. What you are expecting. De ce à quoi vous vous attendez. If you come to church, si vous venez à l'église, to see negative, voir les négativités, the devil is gonna make sure, le diable va se rassurer, that you find a lot, que vous en avez trouvé à beaucoup, and you will be upset, et vous serez même perdu, but, vous serez fâché, but if you come. Si vous venez to see beyond the veil, pour voir derrière le voile, and you want God to speak to you, et que vous voulez que Dieu vous parle, you are thirsting, vous avez soif, you are hungry, vous avez faim, God is gonna make sure, Dieu va se rassurer, he speaks to you. Il vous a parlé. All depends. Tout dépend. Those people come to see Moody. Ces gens qui venaient voir Moody. His physical. Voir son physique. Very often God does things for that purpose. Très souvent Dieu ne fait des choses pour certains buts. So that the children of perdition can be pushed away. Pour que les enfants de la perdition soient renvoyés loin. In the message, the Laodicean church age. Dans le message de l'église, l'âge de l'église de Laodicée. Paragraph 184. Le paragraphe 184. I'm about to close. Maybe two more. Peut-être deux citations de plus. And I tell you. Et je vous dis. No burden for souls. Pas de fardeau pour les âmes. They have got to see that all these things are taken care of. Et ils sont venus pour voir toutes ces choses. The lady's aid. La femme. The lady's aid. L'aide de la femme. And all these other things. Et toutes ces choses. All has to be taken care of. On doit prendre les prendre en soin. On doit prendre soin des femmes, des nécessités, de manger d'abord. De manger d'abord. But no burden for lost souls. Mais pas de fardeau pour les âmes perdues. Oh man. Oh monsieur. What this church has got into. Où est-ce que cette église est arrivée? The church must be for lost souls. L'église doit être pour les âmes perdues. But today, mais aujourd'hui, churches, les églises, is after money. Et derrière l'argent. After women, derrière les femmes. After popularity, derrière la popularité. Nothing connected with lost souls. Rien qui soit connecté avec les âmes perdues. The gift God has placed in us, les dons que Dieu a placés en nous, is for the body. C'est pour le corps. They were not burdened for souls. Ils n'étaient pas chargés pour les âmes. But they were burdened for wealth. Mais ils étaient chargés pour la richesse. That's right. C'est vrai. They had the wrong burden. Ils avaient un faux fardeau. People are coming to church with the wrong burden. Les gens viennent à l'église avec un faux fardeau. Oh, I want to get married. Je veux me marier. In that church, I can find a woman. Dans cette église, je peux trouver une femme. If I go there, a brother will marry me. Et si je parle là-bas, un frère me mariera. The wrong burden. Avec un faux fardeau. If I go to church, si je pars à l'église, maybe I will find a good job. Peut-être je vais trouver un bon boulot. You serve God. Frère, vous servez Dieu. Because He first loved you. Parce qu'il vous a aimé le premier. It's not because things must work. Parce que c'est pas parce que les choses doivent marcher. Amen. Amen. I'm gonna skip that, the rest of this. Je vais sauter le reste de ceci. Where Brother Branham was saying. Où Frère Branham disait. People want said we need to put a lot of money. Les gens disent qu'ils veulent mettre beaucoup d'argent. So that we can send missionary on the plane in Africa and some places. Envoyer les missionnaires dans les plaines en Afrique et d'autres. Brother Branham said, brother. Frère. The world won't be converted by money. Le monde ne veut pas être converti par l'argent. The world will be converted by the Holy Ghost. Le monde sera converti par le Saint-Esprit. Powerful preaching of the Holy Ghost. Une prédication puissante du Saint-Esprit. And the cross will be the only thing that will convert the world. Et la croix sera la seule chose qui va convertir le monde. God's program is not money. Le programme de Dieu, ce n'est pas l'argent. Amen. Amen. Blessed be. Soit the béni. Name of the Lord. Le nom du Seigneur. Two quotes and we will close. Des citations et nous allons pouvoir arrêter. Victory Day. Les jours de victoire. Now, church. Maintenant, église. You have consecrated yourself. Vous êtes consacré. For a certain purpose. Pour un certain but. You must have a purpose. Vous devez avoir un but. Victory Day, paragraph 133. Les jours de victoire, paragraphe 133. I want to be projected.
Je veux que cela soit projeté. Listen closely, brother. Écoutez attentivement, Branham frère. Said, Branham dit, and each one of us et chacun de nous is born for something. Il est né pour quelque chose. We just wasn't put here for nothing. Nous n'avons pas été mis ici pour rien. Brother, let that get into your mind. Frère, laissez que cela puisse entrer dans vos God, pensées. If I believe God brought you, et je sais que Dieu vous a amené. It's not for nothing. C'est pas pour rien. Don't you think that I will be just there watching the game? There is no ne game to pas be pas watched que je serai juste là-bas en train de regarder le jeu. Il n'y a pas we de jeu à regarder. We are all soul winners. Nous sommes tous les gens qui doivent gagner les âmes. We just wasn't put here for nothing. Nous n'avons pas été mis ici pour rien. That mountain never. Come on, leave it. That mountain never. That mountain never happened out there just to be. Cette montagne ne s'est pas levée là-bas juste pour y être. Brother, even those mountains, même ces montagnes, God frère, has put them for a purpose. Dieu les a mis là-bas pour un but. That river, cette rivière, that for a purpose. C'est pour un but. Everything, chaque chose, had a purpose. A toujours un but. If those things have a purpose, si vous savez qu'ils ont quelque chose de but, un but. What about you created into His image? Qu'en est-il de vous qui êtes créé à son image? That tree was put there for a purpose. Cet arbre-là a été mis là-bas pour un but. Everything is for a purpose. Chaque chose a toujours un but. It got to serve. Ça doit servir. And we are here for a purpose. Nous sommes ici pour un but. Maybe it's to testify. Peut-être c'est pour témoigner. To one person. À une personne. And get them saved. Et les avoir sauvés. And out of that. Et en dehors de cela. No. À partir de cela. Et à partir de cela. That might come a preacher. Ça doit, il doit tu arriver. Il peut venir un prédicateur qui va envoyer des milliers de souls à Christ. Il va envoyer des milliers de souls à Christ. Oh, there is a purpose. Il y a un but. Maybe you are there here for a purpose. Peut-être vous êtes là. And you can reach out to somebody. Vous pouvez rencontrer quelqu'un. Maybe a little person. Peut-être une petite personne. And maybe a person you despise. Peut-être une personne que but vous méprisez. But what that person will turn to be? Mais quand cette personne va changer, can win thousands of souls. Il peut gagner des milliers de look âmes. At Dwight Moody's conversion. Regardez à la conversion de Dwight Moody. And many of them. Et beaucoup d'entre eux. Look at what they have done. Regardez ce qu'ils ont fait. Let me go down. Moody. Moody. No, let's continue. And many those, you see? Et beaucoup de, voyez-vous? Just one little old woman. Et juste une petite vieille femme. Little old washed woman. Et une femme lavandière. With a message on her heart. Avec le message sur son cœur. To do something for God. Faire quelque chose pour Dieu. And she rented an old livery stable. Et il a loué une petite. And got a minister to come down and preach. Et il a appelé un ministre pour venir prêcher. And nobody but a little old boy. Et rien d'autre que ce petit garçon. With their hair hanging down his neck, avec ses cheveux qui tombaient sur and his daddy's suspenders on, et avec les bretelles de son père, went down there and knelt down at the altar that night. Et il est pas allé là-bas et s'agenouillé à l'hôtel cette nuit-là. Dwight Moody, that sent a half a million souls to Jesus Christ. Il a envoyé une demi-million des âmes à Jésus-Christ. See, voyez, that woman, cette femme. Had something to do. Avait quelque chose à faire. It was for a purpose. C'était pour un objectif. She was made a washwoman for a purpose. Elle était créée une femme lavandière pour un objectif. And listen to this. Écoutez ceci. Don't despise where God has got you. Ne faut pas mépriser là où Dieu vous a amené. Let me read it again. Laissez-moi lire encore. Brother, sister, frères et sœurs, don't despise where God has got you. Ne faut pas mépriser là où Dieu vous a amené. But serve your purpose. Mais servez votre objectif. There is coming a great victory day. Il y a un jour grand de victoire qui one vient. One of these days. L'un de ces jours. Where the battle is over. Quand la bataille sera terminée. Oh, you will be cursing. Vous, oh, why did you give me this wife? Pourquoi vous m'avez donné cette femme? For a purpose. Pour un objectif. Moses. Moïse, God, Zipporah, il a eu Zipporah for a purpose. Pour un but.
Everything God does, everything God allows, has a purpose. A toujours un but. And God has not to explain to us. Et Dieu ne nous attend pas. The purpose. De but. We have to be consecrated. Nous devons être consacrés. To find out. Pour trouver. The plan of God in our life. Les plans de Dieu dans notre vie. Not in somebody else's life. Pas dans la vie de quelqu'un d'autre. Sometimes you despise the person. Peut-être dans des moments vous méprisez la personne. You despise the place you are. Vous méprisez là où vous êtes. And sometimes you think if I'm here I will be better off. Vous savez peut-être que si je suis là-bas je serai mieux. But God has designed you for that place. Mais Dieu vous a désiré pour que vous puissiez être à cet endroit-là. To do something for His glory. Pour que vous puissiez faire quelque chose pour sa gloire. Have you done enough? Et vous pouvez faire assez. Have you done enough? Avez-vous fait assez? Question mark. C'est la question. The closing. Pour faire terminer. The commission of a sanctified, consecrated church. La commission d'une église sanctifiée et consacrée. Is to win souls. C'est pour pouvoir gagner les âmes. Brother, you know. Frère, vous savez. If you win souls. Si vous gagnez les âmes. Even. Même. Your mistakes. Même vos erreurs. God will forgive. Dieu va pouvoir les pardonner. Amen. Amen. So there is something behind winning souls. Il y a quelque chose derrière les gains des âmes. Give me 1 Peter chapter 4. Donnez-moi 1 Pierre chapitre 4. Verse 7. Le verset 7. 1 Peter 4, 7 and 8. 1 Pierre 7 et 8. You have to be violent. Vous devez être violent. But the end of all things is at hand. Mais la fin de toutes choses. Be ye therefore sober. Soyez donc sobre. And watch unto God. Unto prayer. Et veillez pour prier. And above all things, have a fervent charity among yourselves. Mais avant toute chose, ayez entre vous un amour fervent. For charity shall cover the multitude of sins. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Whatever you do. Peu importe ce que vous faites. Oh, the verse I was looking is if you bring one soul. Le verset que j'étais en train de chercher, c'est lorsque vous amenez une âme. God will forgive. I think, I don't know if it's in James. Let me try. Ça peut être dans Jacques. C'est moi. Vérifier. James chapter 5. Être dans Jacques chapitre 5. Yeah, James 5, 19. Jacques 5, 19. Brother. Frère. Before we read it. Avant que nous puissions les lire. Sometimes. Des moments. Church wake up. Église, réveillez-vous. Things that God allow among us. Les choses que Dieu autorise au milieu de nous. We overlook it. Nous les regardons par-dessus. If there is somebody among us, s'il y a quelqu'un au milieu de nous, sometimes something happened to that person. Quelque chose arrive à cette personne. You did not see that person for a while. Vous n'avez pas vu cette personne pour un temps. Have you inquired? Est-ce que vous vous êtes demandé? What has happened to that person? Qu'est-il arrivé à cette personne? Church. Église. What do we do? Qu'est-ce que nous faisons? We have no longing soul anymore. Nous n'avons pas le besoin de chercher les âmes. That brother, ce frère là. Have you seen him for a while? L'avez-vous vu pendant longtemps? Who have called? Who have reached out? Qui l'a appelé? Qui l'a cherché? Nothing. Rien. Waiting until the day you see him. Vous attendez le jour qu'il viendra. Okay, now have you? Nobody will tell me going there. Where have you been? So we had a consecration meeting. We didn't see you. That means you did not benefit nothing. Ça veut dire que vous n'avez rien bénéficié. But if you leave it all up to the pastor, enfin, si vous laissez tout au pasteur, it's not gonna work. Cela ne va pas travailler. You are here for a purpose too. Vous êtes ici pour un but. What is your purpose? C'est quoi votre but? I don't want trouble. I just want to stay like this. It's not the attitude of Jesus. Ce n'est pas cela l'attitude. Even toward yourself. Même pour vous-même.
When we were in the darkness of sin, quand vous serez dans la, when we were in the darkness of sin, quand nous étions dans les ténèbres, he reached out to us. Il nous a touchés. And look how many times we resisted the message. Et regardez combien de temps nous sommes résistés dans le message. We fought the same cause. Nous avons combattu pour la même Paul cause. Paul was even persecuting the people. Était en train de persécuter les gens. But God was reaching out. Mais Dieu est allé le toucher. 1 Peter chapter 4. 1 Pierre chapitre. No, James rather. James chapter 5. Jacques chapitre 5. Verse 19 and 20. Verset 19 et 20. Brethren, mes frères, if any of you do err from the truth and one convert him, si quelqu'un parmi vous s'égare de la vérité et que quelqu'un le ramène, let him know that he which converted the sinner from the error of his way shall save a soul from death and shall hide a multitude of sins. Qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de l'égarement de son chemin sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Is that the scripture? Et cela est cette écriture? But did they say it's just for pastor? Parce que ça dit seulement que c'est pour pasteur. What is your purpose? C'est quoi votre but? Our purpose. Notre but. It's not about argument. Ce n'est pas pour les disputes. Brother Branham said in closing. Frère Branham a dit en conclusion. When love is projected. Quand l'amour s'élance. Paragraph 10. Le paragraphe 10. Brother Branham said, Frère Branham a dit, if we waste our time for argument, si nous perdons notre temps pour les disputes, we are fighting the air. Nous sommes en train de combattre l'air, le vent. Paragraph 10. Le paragraphe 10. You knowing I was a game warden, vous savez que j'étais un garde-chasse. My mother's half Indian. Ma mère est moitié indienne. I love outdoors. Et j'aime le plein air. And just a little sideline now to live. Et juste une petite extrapolation maintenant en rapport avec la vie. To let you know what I mean when I'm speaking this. Pour vous faire comprendre ce que je veux dire quand je parle de ceci. Until the burden gets on the Christian church for lost souls. Tant que l'église chrétienne ne ressentira pas le fardeau pour les âmes perdues, we are fighting the air. Nous battons l'air. A consecrated church, une église consacrée, must have the burden for lost souls. Doit avoir le fardeau pour les âmes perdues. And if we don't have that anymore, si nous n'en avons pas encore, we are wasting our time. Nous sommes en train de perdre notre temps. But we become arguments. Nous sommes devenus sujets à discussion. Oh, brother, I get this quote. You haven't seen this. Oh, frère, j'ai we are not bragging knowledge. Nous ne sommes pas en train de nous montrer la connaissance. But let us live a consecrated life for somebody. Mais vivons une vie consacrée pour quelqu'un. Branham said, until Branham the burden. Il a dit jusqu'à ce que le fardeau get on the Christian church, va pouvoir saisir l'église chrétienne on a sanctified church, sur une église on sanctifiée, a consecrated church, une église consacrée for lost souls, pour les âmes perdues. We are fighting the air. Nous battons l'air. Brother, who is gonna fight the air? Qui va combattre l'air? Can you catch the air? Peux-tu arrêter l'air? Solomon said. Salomon a dit. Everything is vanity of vanity. Toute chose est vanité de vanité. But the most important thing. Mais la chose la plus importante. Is to send one soul in heaven. C'est d'envoyer une âme au ciel. And have your name associated with that. Et avoir votre nom associé à cette âme là. I believe in gift. Je crois dans le don. And signs and wonders. Et les prodiges certainly, et les miracles, et certainement, that goes with the body. Cela est en rapport avec le corps. But let's not put that ahead of love. Mais ne mettons pas cela avant l'amour and lost souls. Et les âmes perdues. Let's get into entrons dans a burden on our heart. Nous devons avoir un fardeau sur nos cœurs. The commission of a consecrated church. La commission d'une église consacrée. Brother, we have a work to do.
Frère, nous avons du travail à faire. Each one of us. Chacun de nous. Each one of us. Chacun de nous. If you exclude yourself, si vous vous that means you have no revelation. Peut-être vous n'avez pas de révélation. The rest of your time you do, your knowledge is for nothing. Votre connaissance est pour rien. But let us go down. Mais allons un peu en bas. And pray for lost souls. Et prions pour les âmes perdues. You can find somebody begging in the corner. Vous pouvez trouver quelqu'un somebody qui mendie dans le corner, something that dans is not wrong. Quelqu'un qui fait quelque chose qui Brother est pas Branham bon. Said, Branham a dit, let us worship. Que nous puissions adorer. By telling him the best thing he can do. Et pour lui dire la meilleure des choses qu'il puisse faire. That was the purpose Jesus consecrated himself. C'est la raison pour laquelle Jésus s'est consacré. And let this be also the purpose for which we consecrate ourselves. Et que cela soit aussi l'objectif pour lequel nous nous consacrons. So that God can use us. Pour que Dieu puisse nous utiliser. For lost souls. Pour les âmes perdues. Those who are in the message. Ceux-là qui sont dans les messages. They have already received the message. Sont déjà reçus les messages. It's what we see people doing today. C'est ce que nous voyons les gens faire aujourd'hui. Instead of going to get the people outside of the message. Au lieu d'aller chercher les gens qui sont en dehors du message. They go instead getting people from another church to another church. Ils vont aller prendre les gens d'une autre église pour l'amener dans une autre église. Oh, brother, that was not good. Oh, frère, cela n'était pas But bon. But that's where God directed him. Mais c'est là où Dieu l'a dirigé. There are many outside. Il y a beaucoup qui sont dehors. They come what they call the police military. Ils sont arrivés à ce qu'ils appellent la police militaire. You know the PEM in Congo. Vous savez les polices militaires. They don't arrest civilians. Ils n'arrêtent pas les civils. They only arrest the military. Ils arrêtent seulement les militaires. The conversion of the souls. La conversion des âmes. Is not to go get people from other church. Il ne faut pas aller, ce n'est pas d'aller prendre les gens des autres And églises. And Branham even said. Et Branham même a dit. I Branham. Moi Branham. Will never be guilty. Je ne serai pas coupable. To tell somebody to which church he need to go. Pour dire à quelqu'un dans quelle église il doit aller. Oh brother, long man, how can I go to? Oh frère, live there and come here. Oh brother, here think I not live here, go there. Oh, frère, je dirais si c'est pas ça ne marche pas, But quitte ici, it, va là-bas. None of your business. Ça, ce n'est pas ton travail. You are not the one who are gonna respond for that soul. Vous n'êtes pas celui qui va répondre pour cette âme là. Even Branham himself. Même Branham lui-même. He is holding meeting somewhere. Il avait des réunions quelque part. He said the people. Il a dit aux gens. If your pastor is okay, you can come. Si votre pasteur le veut, I am venir. Not here to proselyte. Je ne suis pas venu ici pour proséliter. But today, mais aujourd'hui, with lack of knowledge, avec la manque de connaissances, we do things nous faisons des choses that will get us in trouble, qui vont nous amener dans des problèmes. Thinking we are serving. Et croyant que nous servons. Encourage people to go to church. Encourager les gens à aller à l'église. Wherever they go. Peu importe où ils vont. You meet with somebody. Vous rencontrez quelqu'un. My brother, God bless frère, you. Que Dieu bénisse. Where do you worship? Où est-ce que vous adorez? Oh, voice of God, tabernacle. La voix de Dieu, tabernacle. Of Pastor Gabel. Pasteur Gabel. How are you doing? Et comment vous allez? How the church? Comment l'église? Greet the pastor for me. Oh, saluez le pasteur. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Not coming as a submarine. Il ne faut pas être comme sous-marin. Coming, brother. Venir, frère. Et pas n'abisokuna. You know, out Bikolo there, our biloko, church biloko. Is a fire, fire the son things. Of man. Le fils de l'homme. Na moto. Bongo livi. Since you heard the son of man, did you change your life? Consecrate your life. Consacrez-vous. If you don't consecrate, si vous ne vous consacrez you will pas, not have the understanding of the son of man. Vous n'allez pas voir la compréhension du fils de l'homme. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Let us stand on our feet. Que nous puissions nous tenir sur nos pieds. Even sisters, you have a work to do. What's making that noise? He's dripping with blood. The first
want to die for this Holy Ghost plan. Was John the Baptist, but he died like a man. By him, oh Lord, oh Seigneur, it taught us the Spirit who saved men from sin. It's dripping with blood, yes, it's dripping with blood. And went
dripping with blood. Yes, Lord. Seigneur. The blood of His disciples who died for the truth. His Holy Ghost has blood. It's dripping with blood. It's dripping. Hallelujah. It's dripping with blood. Church, not try to revive a Pentecostal organization, but
but revive the Pentecostal blessing in an individual's heart. That's the only way, and I will suffer the end of the evening. What does the messenger to the church, message to the church teach us then? Teach us not the growth in the spirit, no, the decline of the spirit. We have a decline all the time. The method of the messengers to the church and the message to every church age. Every message to the church is constantly on the decline and wouldn't listen to it. The message to the church was disregarding denomination and it made hybrid Christians, so-called. That's right. You know nothing about God or the Holy Ghost. That's as true as I stand in this platform tonight. To find lukewarm members only to be spewed out of his mouth. Paul warned the Gentile was a branch. Now, I want some of you, if you will, to turn to Romans 11th chapter, the 15th and the 27th verse, just so you can mark that off. And after it is late, I will open this to you now just before leaving the call. It's done. Now, Romans, if you want to put it down, 11, 15 to 20, 27. Paul told them, talking to the Gentiles there, the Romans, he said, if God, now listen, as we're closing on the church age, Paul said, if God did not spare the original olive tree, but cut it off because of unbelief, that right? What caused them to be cut off? Because they rejected Pentecost. That right? On the day of Pentecost, they made fun and blasphemed the Holy Ghost. When Jesus is here on earth, he said, they called him Beelzebub, said he was the devil, he's a fortune teller, whatever it was. He said, I forgive you for that. But when the Holy Ghost has come, don't you speak against it. Because you speak against it, it'll never be forgiven yet. And remember, when Jesus commissioned his disciples not to go to the Gentiles, is that right? But go rather to the lost sheep of Israel. How did they condemn themselves? By blaspheming the Holy Ghost. Calling the Spirit of God an unclean thing. Made fun of them when they were dancing in the Spirit and so forth on the day of Pentecost. That same sin they made fun of it. Titus killed them in there and their blood ran out the gate's way. They eat their own children and everything. That same century. That's right. One of the greatest nations in the world become the lowest and scattered to the four winds of the earth. Because why? Unbelief. And that was the original stump, the original tree, Israel. You know what Paul say there? Who's got the scripture right there? Got a pen? Stand up, read from the 15th to 27th verse. For if the casting away of them be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be but life from the dead? For if the first fruit be holy, the lump is also holy. Of the branches be broken off, and thou, being a wild olive tree, were grafted among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree. Boast not thyself against the branches, but if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. Thou wilt say then, the branches were broken off, that I might be grafted in. Well, because of unbelief they were broken off. This is unbelief, all right, go ahead. And thou standest by faith, be not high-minded, but fear. For if God spare not the natural branches, take heed lest he also spare not thee. Behold therefore the goodness and severity of God. On them which fail, severity, but toward thee goodness. If thou continue in his goodness, otherwise thou also shalt be cut off. And they also, able to graft him in again. For if thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature, and were grafted contrary to nature into a good olive tree, how much more shall these which be the natural branches be grafted into their own olive tree? For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceit, that blindness in part is happened to until the fullness of the Gentiles be coming. Amen. And so on.
tracing on the upward way, whose eyes I'm gaining every day, still praying as I'm on warbound. Lord, bless my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. Yeah, I am blessed, then I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where doubts arise and feel dismay. Though some may dwell where these are bound, my prayer, my aim is Heavenly Father, gracieux Père céleste, you are rich in mercy. Tu es riche en miséricorde. Because if you were not rich in mercy, parce que si tu n'étais pas riche en miséricorde, no one could approach you. Personne ne pouvait s'approcher de toi. We feel ourselves very little in your presence. Nous nous sentons si petits d'être dans ta présence.
And we are asking that you forgive our negligences. Nous demandons que tu pardonnes nos négligences. You forgive the negligence of the church. Que tu pardonnes les négligences de l'église. That has been gone away from Jesus' commission. Qui se sont passés depuis la commission de Jésus. Instead of going out to win souls, au lieu de sortir et gagner des âmes, we have either gone for our own wealth, nous sommes partis pour notre propre richesse, for our jobs, pour notre travail, our personal occupation, pour notre personnelle occupation, forgetting the great commission, oubliant cette grande commission. And Father, if you have put in us the desire for consecration, Père, si tu as mis le désir en nous pour la consécration, and we believe that a consecrated church, et nous croyons qu'une église consacrée, is the church that will carry the mission, the specific mission that Jesus has given to us. C'est une église qui va porter la mission, la grande mission que Jésus nous a donnée. What have we done, Father? Qu'avons-nous fait, Père? For the lost souls. Pour les âmes perdues. Even for the backsliders. Même ceux qui rétrogradent. Even for those in a special need. Même ceux qui sont dans le besoin. We have been so indifferent. Nous avons été indifférents. Each person thinking that the other one is gonna do. Chaque personne pensant que l'autre fera le travail. But in reality. Mais en réalité. It should be each one of us. Ça doit être chacun de nous. That's why I bring this congregation. Voilà pourquoi j'amène cette église. Before you, devant this toi, afternoon, Father. Cet après-midi, Père. So that you can look at each one of us. Que tu regardes chacun d'entre nous. Under the precious blood. Sous le précieux sang. When I can remember reading the Brother Branham. Quand je peux me rappeler lisant Frère Branham. With all the work he has done. Avec tout le travail qu'il a fait. Traveling. Voyageant. Going over oceans, allant traversant les océans, just to bring the gospel somewhere, juste à porter l'évangile quelque part, crossing the country here, traversant les pays, and one day he was even saying, et un jour il disait même, I have not done enough, je n'ai pas fait assez. Father, what have we done? Père, qu'avons-nous fait? We are after. Our own projects. Nous sommes après notre propre projet. Maybe souls in a need somewhere. Peut-être les âmes qui sont dans les besoins quelque part. With a different ministry you have put in the body. Avec les ministères différents que tu as placés dans le corps. What are we doing? Qu'est-ce que nous faisons? When we look at the testimony of this woman. Quand nous regardons les témoignages de cette femme. With $1.50, juste avec $1.50, going to rent a room. Elle est allée prendre une chambre, une salle, to invite a preacher. Pour inviter un prédicateur. Even if nobody was present, même s'il y avait personne, the work has to be done. Le travail devrait être fait. Sometimes we are choosing places with a big crowd. Par moments, nous cherchons des endroits où il y a beaucoup de la foule. And we overlook the need maybe of a small group. Et nous regardons au deux par-dessus les besoins d'un petit groupe. Lord, please forgive us. Ô Seigneur, s'il te plaît, pardonne-nous. Our young people. Nos jeunes gens. Mothers, fathers. Des papas, des mamans. Where we should be standing, taking position for the gospel. Là où nous devons être debout, prenant position pour l'évangile. Sometimes we are putting, causing other people even to lie, to cheat. Des fois, nous poussons les autres à mentir, à tricher. Even concern, even with our own families. Avec nos propres familles. We think it's normal. Nous pensons que c'est normal. Instead of encouraging, discouraging somebody. Au lieu de décourager, encourager quelqu'un. Not to sin. De ne pas pécher. We encourage instead. Mais nous les encourageons plutôt. With one another, even here. Même les uns les autres ici.
Are we always encouraging other people? Sommes-nous toujours en train d'encourager les autres? For the sake of this gospel? Pour la cause de cet évangile? Or are we just being so negligent? Ou sommes-nous seulement négligents? Lord, there is a lot to be said. Oh, il y a beaucoup à dire, Seigneur. But with all that Brother Branham did, mais avec tout ce que Frère Branham a fait, he was telling you, Father, il te disait, Père, I have not done enough. Je n'ai pas fait assez. There is no limitation. Il n'y a pas de limite on what we can do à ce que nous devons faire to serve you. Pour te servir. Instead of wasting our time, au lieu de perdre notre temps, with argument between avec des us, disputes parmi nous, we should be longing nous devons être en train de chercher for lost souls. Pour les âmes perdues. Not to remain indifferent, pas de rester indifférent, but the work has to be done. Mais le travail doit être fait. Jesus laid the platform. Seigneur, Jésus a placé la plateforme. In consecrating himself, en se consacrant lui-même, because he has 12 men to be trained, parce qu'il avait 12 hommes à entraîner. And from those two 12 men, mais de ces 12 hommes, à partir de ces 12 hommes, the whole world was conquered. Tout le monde était conquis. What are we doing? Que faisons-nous? Let us consecrate ourselves. Consacrons-nous. Let me consecrate myself. Laisse-moi me consacrer. Not to look at what so and so is saying. Je n'ai pas regardé à ce que l'autre or dit. So and so is doing. De ce que l'autre we fait. We have to have our objective. Je dois avoir mon objectif. Set on Calvary. Fixé sur le to calvaire. To bring some soul. Pour amener des âmes. To Golgotha. À Golgotha. Alléluia. Alléluia. Oh God. Oh Dieu. To have my name. Pour avoir mon nom. Associated. Attaché. With the salvation. Avec le salut. Of somebody. De quelqu'un. Oh let it be also oh Dieu, que ça for this entire congregation. Pour cette église and that's entière, the purpose. Que c'est le you but have helped us que tu nous aides to bring the congregation pour amener l'église to consecration. À la consécration. If we have consecrated ourselves, nous consacrons nous-mêmes. Now, Father, maintenant, Père, as you said to Isaiah, tu as dit à Isaïe, who shall you send? Qui enverrai-je? You purify his lips. Tu as purifié ses lèvres. Lord, purify our lips. Seigneur, purifie nos lèvres. And let us be sent. Et que nous soyons envoyés. As the Bible said, comme la Bible dit, the field is big. Le champ est grand. But there is a few laborers. Mais il y a peu de moissonneurs. Father, Père, let each one of us que chacun d'entre nous work the best qui travaille for the advancement of your kingdom. Pour l'avancement de ton royaume. What are we gonna say? Qu'est-ce que nous allons dire? Comparing with the testimony. Comparant au témoignage. Of that lady. De cette femme. She worked hard. Elle a beaucoup travaillé. Not to buy a house. Pas not to buy clothes. Maison, pas acheter des habits. Not to buy food. Pas acheter des. But to rent a room. Mais juste avoir une salle. To have a gathering. Pour avoir un rassemblement. What is our testimony? Quel sera notre témoignage? We spend money. Nous dépensons de l'argent. Maybe for our families. Peut-être pour nos familles. For ourselves. Pour nous-mêmes. For fun. Pour le plaisir. But souls are dying mais somewhere. Les âmes sont en train de mourir. And ministers who can go. Et les ministres qui doivent partir. They don't have money to go. Ils n'ont pas l'argent pour aller. Oh God. Oh Dieu. When we do missionary. Quand nous faisons l'œuvre missionnaire. You said it's the perfect will of God. Tu dis c'est la volonté parfaite de Dieu. Because that's what Jesus said. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Go ye, allez all world. Partout dans le monde. Forgive each one of us. Pardonne chacun d'entre nous. And help us, Father. Et aide-nous, Père. To consecrate ourselves more. Nous consacrer nous-mêmes. So that we can see. Pour que nous voyons how you will lead each one of comment us tu vas conduire chacun d'entre nous in what to do, dans ce qu'il doit faire where to do, où le faire when to do. Et quand le faire. But we don't want to stay idle anymore. Mais nous ne voulons pas être immobiles. Pray for this congregation this morning. J'ai prié pour cette congrégation ce matin. Everybody who have heard, chacun qui a entendu. Maybe I could not express myself. Peut-être je ne pouvais pas m'exprimer moi-même. The way I should have, la manière dont je devrais le but faire. I pray that the Holy Spirit, mais je prie que le Saint-Esprit take this broken English and broken words, prenne ces mots entrecoupés. Place it in every heart. Et les placer dans leur chaque cœur. I pray. Je prie. That the burden que le poids for the weak pour le faible. The burden le fardeau for the lost pour le perdu increase in every heart. Augmente dans chaque cœur. We thank you, Father. Nous te remercions, Père. We love you. Nous t'aimons. We appreciate nous you. Nous t'apprécions.
With thanksgiving. Avec reconnaissance. We don't want to be the same anymore. Nous voulons plus être les mêmes. Send us on the field. Envoie-nous dans les champs. Maybe passing a track to somebody. Peut-être donner des traités à quelqu'un. We don't know what that will produce. Nous ne savons pas ce que cela peut produire. The church has done this a long time. L'église l'a fait il y a un moment. But what happened? Mais qu'est-ce qui est arrivé? We turn our attention. Nous avons détourné notre attention to the minors. Sur des petites choses. And we have forgotten the great commission. Et nous avons oublié la grande commission. Bless each one of your Bénis chacun d'entre nous. Give us traveling mercies. Accompagne-nous. And if somebody came with a need, et si quelqu'un est venu avec un besoin, because of the consecration, à cause de la consécration, add unto their heart, ajoute à leur cœur whatever they need, tout ce qu'ils ont besoin. Heal the sick, guéris les malades. Comfort the afflicted, console les affligés. Deliver the captive, délivre les captifs. Save the lost, et sauve les pécheurs. In Jesus' mighty name, we dans pray. Le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Until he comes.
side by side. As long as there is love, we will stand. Oh, you my brother, you my sister, so take me by the hand. Together we will walk until He comes. Walking side by side, as long as there is love, we will stand.